Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui à Metz. Ce congrès national de l'ABF s'ouvre ce matin avec Top Fanfare et l'arrivée de 50 bibliocyclistes qui ont parcouru 360 km depuis samedi pour découvrir les bibliothèques de Lorraine et du Luxembourg et déployer par la même occasion une campagne de plaidoyer en faveur des bibliothèques. Merci à eux. Et on peut évidemment les applaudir. Le comité de pilotage de ce congrès et le groupe Lorraine que je représente ici ont pris beaucoup de plaisir à organiser ce congrès et à vous accueillir cette semaine. Metz avait déjà reçu le congrès de l'ABF en 2000 sous la présidence de Gérard Briand et nous avons une pensée émue pour André Ansroul qui nous a quittés l'an dernier. André avait notamment été une cheville ouvrière de l'organisation du congrès en 2000 et il a par ailleurs profondément contribué au développement de la lecture publique en Lorraine. On lui doit ce clin d'œil. Je remercie bien évidemment les élus locaux présents à nos côtés ce matin et à qui je vais laisser la parole dans quelques minutes, à commencer par monsieur François Grosdidier, maire de Metz et président de l'Eurométropole de Metz, accompagné de monsieur Thiel, son adjoint en charge de la culture et des cultes pour la ville de Metz, ainsi que monsieur Rémy Dic, qui est vice-président en charge de la culture et par ailleurs maire de Florange, qui représente ici monsieur Patrick Weiten, président du département de la Moselle, qui est retenu par d'autres obligations ce matin. Je tiens à excuser également les représentations officielles du ministère de la Culture et de la DRAC Grand Est qui sont tenues de rester en retrait en raison de la période de réserve parlementaire. Ils ne s'exprimeront donc pas ici, mais la confiance et le soutien renouvelé dans l'organisation de ce congrès est très cher à l'ABF et nous les en remercions très chaleureusement. Merci également à l'équipe des bibliothèques et médiathèques de Metz, ainsi qu'à l'équipe de la direction de la lecture publique et des bibliothèques du département de la Moselle pour leur participation à l'organisation de ce congrès et en particulier des animations. La mise à disposition des différents lieux culturels du territoire, dont la médiathèque Centre Social de l'Agora, le musée de la Cour d'Or, la maison Robert Schumann et le musée de la Grande Guerre et de l'Annexion, viennent enrichir toute la programmation culturelle de ce congrès. Et enfin, je tiens à adresser un remerciement particulier aux fidèles partenaires de l'ABF Lorraine, qui sont des partenaires transfrontaliers, toujours présents à nos côtés. Merci en particulier à Madame Estelle Beck et Monsieur Jean-Marie Redin de l'ABALD. ABALD, ce sont nos homologues de l'Association luxembourgeoise des bibliothécaires, archivistes et documentalistes. Et un merci également aux collègues belges de l'ASBL, Lire et écrire de la Provence. La province belge du Luxembourg, qui nous font également le plaisir d'être parmi nous. J'arrête pour le moment et je passe la parole à monsieur Grosdidier, que je remercie à nouveau pour sa présence. Merci, madame la présidente. Je suis heureux de vous accueillir avec Patrick Thiel, et conseiller adjoint maire, et Timothée Bord, conseiller délégué à la culture, avec Rémy Dic, mon vice-président du département, et je suis très heureux de vous accueillir pour ce 67e congrès de l'Association des bibliothécaires de France. Saluer la présence des représentants du ministère de la Culture. Très heureux de les accueillir à Metz et vous tous pour un congrès qui, je l'espère, vous permettra non seulement de retrouver une force intérieure et une force collective, mais également de découvrir notre belle ville. Parle de retrouver de la force. Effectivement, vous avez dû annuler, je crois, en 2020, faire un congrès 100% numérique. Ça fait plaisir de retrouver des congrès, ça fait plaisir de se retrouver. Ouais, ça me fait plaisir de vous trouver pour une raison tout à fait personnelle. C'est que ma maman était bibliothécaire, voilà, et que vous imaginez à quel point
Je veux dire, j'ai aimé Baba Borbé aussi sa profession. D'abord, et d'ailleurs, elle a connu mon père parce que c'était le meilleur client de la bibliothèque. Donc, c'est toute une histoire. Et j'ai été élevé dans l'amour des livres. Alors, on voudrait dire que dans notre ville de Metz, le livre a une place forte. Nous avons un festival annuel qui s'appelle Le Livre à Metz, qui d'ailleurs a pris une identité propre, littérature et journalisme, qui est la seule grande manifestation interdisciplinaire qui se consacre aux rapports fondamentaux reliant littérature et journaliste et s'adressant à un vaste public et qui est toujours d'un intérêt très particulier lorsque parfois, trop souvent, le journalisme ne traite que de l'écume de la polémique du jour. Nous avons là à la fois des réflexions profondes et un regard sur le monde qui est à la fois rare et qui est indispensable. Nous sommes à chaque édition toujours davantage satisfait d'avoir choisi cette orientation qui au départ pouvait paraître un peu paradoxale justement parce que le journalisme trop souvent dans l'actualité immédiate, l'instantanéité paraît justement s'éloigner de la littérature et on voit tout l'intérêt qu'il y a à les rapprocher. À Metz, nous disposons aussi d'atouts géographiques et historiques assez incroyables pour mettre en perspective ces relations existantes entre l'écriture littéraire et celui de la presse et des médias. Une des adresses phares de Metz en la matière est notre bibliothèque Verlaine. Outre le fait qu'elle porte le nom d'un poète français du 19e, né à Metz, c'est un lieu de conservation du manuscrit des poèmes de bonheur de Paul Verlaine, acquis d'ailleurs aux enchères en 2022, hein, n'est-ce pas, c'est mon adjoint préféré. Voilà, vous l'aurez compris, avoir choisi Metz pour votre 60e congrès est un excellent choix, donc, et je vous en félicite. Les bibliothèques de Metz sont avant le Centre Pompidou-Metz, qui est à deux pas et que je vous invite bien sûr à voir, les premiers lieux de culture de fréquentation. Et malgré la baisse de fréquentation liée au Covid, elles ont encore accueilli plus de 200 000 personnes en 2021 et nous étions à 400 000 personnes en 2019. C'est considérable, je dis souvent d'ailleurs, service des bibliothèques, c'est le premier service municipal. C'est devant la propreté, voirie, les espaces verts, la police municipale ou la petite enfance, qui sont des services pourtant extrêmement nombreux. Après la crise du Covid, les bibliothèques françaises, et donc les bibliothèques messines, ont été en plein questionnement et peinent encore à retrouver les publics d'avant la crise sanitaire. Et d'ailleurs, cette crise est venue au moment où même l'évolution du monde suscitait des interrogations. L'apparition du numérique qui interroge même sur l'avenir du papier. La facilité individuelle que ont tous, y compris nos enfants, d'accéder à une connaissance, à une bibliothèque universelle via Google, pouvait interroger d'ailleurs tous les responsables publics sur la pertinence, sur l'existence même des bibliothèques. Alors moi, je veux saluer tout le travail que je connais à Metz et dont je ne doute pas qu'il soit fait dans les autres villes, à la fois pour faire revenir les publics et pour conquérir de nouveaux publics qui ne viennent pas aussi facilement qu'autrefois, lorsque notre seule possibilité d'accéder à la connaissance, de satisfaire notre curiosité était d'aller à les bibliothèques, donc de satisfaire des nouveaux publics et notamment les adolescents. Cette reconquête passe par un renforcement, un développement des services aux usagers et notamment des services numériques. Là encore, il faut lier les deux, il n'y a pas d'opposition. Donc automate de prêt, l'immédiat, extension des horaires aussi, vendredi dimanche, gratuité, et par l'action culturelle
organisée dans et hors les murs de la bibliothèque. C'est ce que nous faisons dans le cadre l'éducation artistique et culturelle, des rencontres avec les auteurs, des animations, d'ateliers, d'expositions. Et je crois aussi que les bibliothèques jouent un rôle clé dans l'alphabétisation et dans l'apprentissage. Elles posent les fondations du développement et participent à sauvegarder le patrimoine et à diffuser le patrimoine culturel et scientifique de l'humanité. Alors, vos rencontres ont cette année un ancrage très local avec une intervention sur la BNR du Sillon Lorrain et le projet transfrontalier Co-écrire pour lire. Elles mettent également en valeur le travail fourni par les commissions de l'ABF. Et je veux le saluer et les remercier. Alors, il ne faudra pas oublier non plus les visites touristiques professionnelles organisées par le groupe ABF Lorraine, visite de l'Agora, qui est une médiathèque à la fois importante et centre social à Metz, dans un quartier politique de la ville. La découverte des collections patrimoniales des bibliothèques médiathèques de la ville au musée de la Cour d'Or, que je vous invite aussi à visiter. Ce musée qui est plusieurs musées en un, qui est construit sur les fondations romaines de la ville et qui embrasse les siècles et qui, dans quelques années, c'est dans projet, quoi, en 2025, sera enrichi d'un pavillon sur la biodiversité et la sixième extinction des espèces. La ville de Metz joue vraiment la carte du tourisme littéraire de qualité. Mais on n'imaginait pas de faire autrement dans une ville, je parlais de la Cour d'Or, qui est trois fois millénaire. Ça se sait peut-être pas beaucoup, même parfois je trouve que les Messins connaissent assez peu leur histoire. Je connais pas un Rémois qui ignore que Reims était la ville du Sacre de Roi, pas un Dijonais ou un Bordelais ou un Nancéen qui ne sait pas que sa ville était capitale de duché. Remarque, assez peu de Messins se souviennent, ou plutôt savent, que Metz était, alors même pas capitale de duché, hein, capitale de royaume, on ne boxe pas dans la même catégorie. C'était le royaume mérovingien d'Austrasie. Puis dans cette histoire originale, Metz a été une ville libre, d'abord dominée par l'évêché, qui était prince électeur du Saint-Empire romain germanique, comme ses collègues de Trèves ou de Liège, avec une particularité d'être une ville francophone dans le Saint-Empire romain germanique. Et puis après, parce que supportait mal l'autorité de l'évêque, on l'a prié d'aller voir un peu plus loin, une quarantaine de kilomètres, à Vic-sur-Seille, et Metz s'est érigée en république, et elle a été république de 1232 à 1554, non c'est l'inverse, 1234 à 1552, voilà. Donc pendant trois siècles, comme cinq siècles avant la France, la République y a été mis fin quand Metz a intégré le royaume de France. Donc c'est une histoire assez extraordinaire et qui a été aussi marquée à la fois douloureusement, mais il faut toujours voir ce qu'il y a de positif dans les étapes, qui a été ballotté entre la France et l'Allemagne, annexée deux fois, germanisée de force, avec une résistance culturelle assez forte, mais qui en a hérité une double culture et que nous revendiquons. Nous regardons enfin positivement le quartier qu'on appelle Nouvelle Ville, maintenant le quartier impérial, qui est juste à côté, qui a été construit par les Allemands et que les vieux Messins regardaient parfois avec détestation parce qu'elle avait incarné la présence allemande et des souffrances. Et on a une situation même paradoxale, c'est que cette magnifique gare de Metz, je ne sais pas si un certain nombre d'entre vous sont arrivés par la gare de Metz, je le suppose, a été donc bien sûr réalisée par l'empereur Guillaume. Elle est aussi monumentale parce qu'il fallait, je crois qu'il fallait 30 000 fantassins et 8 000 chevaux puissent y transiter tous les jours. Et elle a été regardée avec beaucoup de dédain et de mépris, voire de détestation, par beaucoup de vieux Messins parce qu'elle incarnait l'occupation allemande. Barrès l'avait décrit d'ailleurs comme un affreux pâté, je crois. Tourée d'épinard. Et en fait, ça fait 4 ou 5 ans que les Français la consacrent
plus belle gare de France, par sondage par Internet, parce qu'elle est belle, elle est objectivement belle, et je veux dire, et nous la racontons différemment. Et quand je parle de quand on transforme ces difficultés en atouts, c'est que nous sommes aussi la métropole de Robert Schuman, qui repose à Cichazel, juste à côté de Metz, sur les hauteurs du Mont-Saint-Quentin, qui domine Metz. Metz est une ville profondément européenne, pour ça d'ailleurs que nous avons rebaptisé la métropole Eurométropole de Metz, nous le revendiquons. C'est dans les faits d'ailleurs, nous avons 100 000 de nos compatriotes, Moselle, qui franchissent la frontière tous les jours, 120 000, pour aller travailler au Luxembourg. Nous avons des diplômes franco-allemands à l'université, nous le revendiquons, et nous sommes bien au-delà une ville de brassage international. C'est marqué par l'industrie, par les houillères, par la sidérurgie, donc nous avons un brassage exceptionnel. Et un brassage qui est très ancien, puisque vous remarquerez, je n'ai pas d'architecture allemande, on a une architecture française classique, mais également une marque d'architecture italienne, et là c'est très ancien, c'est bien avant l'arrivée des Italiens dans la sidérurgie, c'était les banquiers lombards de la République Messine. Donc Metz est une ville totalement ouverte sur l'Europe et sur l'international. Et vous allez découvrir par ailleurs une ville de Metz avec, dominée par l'ocre de la pierre de Jaumont, cette pierre jaune, en fait, qui est jaunie, c'est une pierre calcaire jaunie par l'oxyde de fer, le soleil se reflète merveilleusement bien. On a deux autres couleurs, c'est le vert d'une ville-jardin. Nous avons une ville assez grande en surface, rien que la ville, je ne parle pas de la métropole, plus de 4000 hectares, mais dont plus d'un quart est totalement vert. Et la moitié de cet espace vert totalement géré par le service d'espace vert de la ville de Metz. Donc c'est une ville-jardin qu'il a été avant, et nous le devons à un grand homme également, qui est Jean-Marie Pelt, botaniste, qui a été adjoint au maire de 1971 à 1983, premier adjoint de Jean-Marie Roche, et qui a interrompu tous les programmes des ZUP de l'époque, aux grandes dames de l'État, pour engager, on avait conçu là au-dessus de la mairie, sur cette colline Sainte-Croix, à côté de la cour d'or, sur lesquelles on a aussi la cour d'or, qui est le berceau de Metz, conçu le concept d'écologie urbaine et mis en œuvre immédiatement sur Metz. Et vous le retrouverez en vous baladant autour du plan d'eau ou pas loin au jardin Jean-Marie Pelt, qui porte son nom, etc. C'est une nature qui est omniprésente. On a le vert et on a le bleu, parce que l'eau est omniprésente. Le bleu de la Seille qui est à côté de la Moselle, puisque nous sommes à la confluence, et de tous les bras de la Moselle, puisque Metz, pour une large part, est un archipel construit sur des îles. Voilà, et nous avons d'ailleurs, depuis hier, on pourrait l'emprunter, une navette fluviale, c'est-à-dire pas seulement de la batellerie touristique, mais un transport en commun qui emprunte la voie fluviale. Alors voilà, alors je suis désolé pour ceux qui venaient ici en espérant découvrir, parce qu'il paraît que certains aiment ça, une ville de casernes désaffectées au milieu d'une région de hauts fourneaux abandonnés. Même Florange d'aurait dit Kelbert, c'est pas exactement ça. Par contre, vous avez effectivement une ville et une région magnifique, qui est très fière de son patrimoine, mais qui est totalement ouverte sur le monde, et qui est très heureuse de vous accueillir à Metz. Merci beaucoup, Monsieur Grosdidier. La parole est désormais à Monsieur Rémy Dick. Merci Madame la Présidente, Monsieur le maire de Metz, Mesdames, Messieurs, aujourd'hui je suis extrêmement heureux également de pouvoir prendre la parole au nom de Patrick Weiten, président du département de la Moselle, qui donc s'excuse et ne pouvait pas être présent, mais qui m'a demandé de le représenter dans mes qualités de vice-président en charge de la politique culturelle au département de la Moselle. Aujourd'hui, bien évidemment, comme le maire de Metz l'a fait pour la ville de Metz, je tenais au nom du département de la Moselle à vous souhaiter la bienvenue. La bienvenue en Moselle pour votre événement professionnel, pour ce congrès. On sait toutes et tous, chacun dans nos professions, chacun dans nos engagements, l'importance de ces moments professionnels, l'importance de pouvoir se réunir et de pouvoir discuter des sujets du quotidien qui évoluent, des mutations de nos professions,
Dieu sait, je pense que vous le vivez plus encore que nous dans le quotidien, que le monde culturel est en ébullition, que le monde de la culture est en changement et en mutation. Et je crois qu'après 2 ans de pause, ou en tout cas d'adaptation, le monde de la culture a bien le besoin de se réunir, de se retrouver, de réfléchir sur les évolutions. Alors, je ne vais pas retracer tout l'historique du département de la Moselle, mais simplement pour refaire un point, comme l'a dit François Grosdidier, le département de la Moselle est un territoire qui est, je crois, marqué aujourd'hui par sa caractéristique, par une double caractéristique, à la fois une caractéristique à la fois très rurale et en même temps industrielle. On peut dire, comme l'a dit dans l'histoire de notre département, on est un territoire de laborieux dans tous les sens du terme, avec effectivement des territoires sidérurgiques, avec des territoires verriers, avec des territoires houillés, avec des territoires de la mine, du charbon et de l'industrie. Mais on est aujourd'hui un territoire profondément industriel, mais européen. Je reprends les termes du maire de Metz, et vous le remarquerez peut-être dans vos discussions ensemble dans ce lieu à Metz. Effectivement, c'est l'eurométropole, mais on est un eurodépartement, on aime bien le dire également, puisque le lien avec le Luxembourg, des travailleurs frontaliers, avec nos... avec les représentants du Luxembourg, avec EJ 2022 actuellement en événementiel culturel, fait que nos territoires se positionnent dans la relation avec nos voisins et nos voisins européens. Et ça, c'est une des principales caractéristiques, je pense, de nos territoires. Je suis très content aussi de pouvoir vous dire bienvenue en Moselle, parce que vous allez découvrir, je sais que dans vos programmes, vous allez avoir un certain nombre de discussions, mais vous allez faire quelques visites, vous allez avoir l'occasion de pouvoir découvrir Metz et un certain nombre de lieux culturels, mais aussi aux abords de Metz, un certain nombre de lieux culturels du département gérés par le département de la Moselle. Je pense, et j'ai vu et j'ai entendu monsieur le maire de Metz en parler, que vous allez... découvrir la maison de Robert Schumann. On parlait d'Europe, donc effectivement vous allez avoir la possibilité de découvrir ce lieu qui est devenu un des sites gérés par le département, un des sites dit passionnément Moselle. Il y a 8 sites passionnément Moselle, effectivement, gérés par le département, et un deuxième, le musée de Gravelotte. On connaît tous l'expression, ça tombe comme un gravelotte, et effectivement on a un musée dédié à dans les abords, dans la périphérie messine, on a effectivement un musée qui est géré par le département et qui a vocation demain à devenir un musée de la mémoire mosellane, puisque notre département a connu bien des affres et une histoire complexe, et effectivement ce musée de Gravelotte a vocation à évoluer au fur et à mesure des prochaines années pour devenir le lieu de la mémoire mosellane, en tout cas l'un des lieux des commémorations. Un exemple, vous avez peut-être entendu parler de Moselle déracinée. En tout cas, il y a eu une grosse communication sur tous les territoires qui ont pu accueillir des Mosellans pendant la guerre de 39-45, avec le déracinement des Mosellans. Et c'est effectivement ce type d'événement mémoriel, de rappel historique. Et ça passe par les lieux de médiation culturelle que sont les bibliothèques. Cet enracinement et ce rappel de la mémoire mosellane également. Et donc effectivement, vous allez avoir le plaisir de pouvoir visiter ces lieux. Alors je rappellerai qu'en matière culturelle, au-delà de ces 8 sites, le lien avec, on va parler du livre, mais en fait après on découvre vite que la bibliothèque, ce n'est pas que le livre, mais simplement pour rappeler que la Moselle a une politique très particulière en matière de lecture, puisqu'elle s'est... enracinée dans une volonté de créer un lien avec la bande dessinée. La Moselle est le premier département qui a fait le choix de réaliser un partenariat avec le Festival d'Angoulême, avec le Festival international de la BD, à travers un site qui s'appelle le Château de Malbrouck, si vous en entendez parler. Et si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas, puisque cela fait 4 années consécutives que nous réalisons des expositions sur la thématique de la BD, de la bande dessinée. Et aujourd'hui, nous entamons cette année la première année de conventionnement avec le Festival international de la BD pour pouvoir développer pendant les 3 prochaines années ce lien charnel entre le département, les communes du département et la bande dessinée, ce qui se
concrétise par de ce lien qui est parti d'une initiative départementale a fait émerger de nombreuses initiatives locales de bandes dessinées pour rappeler l'histoire des communes. Je prends un exemple ou des grands moments historiques du département de la Moselle pour faire en sorte que le public le moins averti à la littérature puisse quand même connaître notre histoire ou connaître l'histoire de leur commune. Donc effectivement, c'est une des initiatives. J'en donnerai une dernière et après je ne vous assommerai pas sur le reste des initiatives départementales. Mais le département vient d'expérimenter et commence cette année la mise en place dans le cadre du réseau des bibliothèques publiques départementales d'une gestion directement en régie par le département de la Moselle d'une bibliothèque avec la bibliothèque de Nilvange qui est devenue bibliothèque départementale l'an dernier et donc qui ne sera ni associative, ni communale, ni intercommunale et pas simplement financée par le département mais gérée comme un lieu de médiation culturelle départementale directement en régie. Et effectivement avec la vocation, la volonté des élus, de la commission culture aujourd'hui et du président forcément d'en faire un lieu dédié non pas simplement à la lecture et aux livres mais un lieu dédié aux arts visuels, au lien entre bien sûr le livre, la bande dessinée, le film, pourquoi pas le dessin animé ou le jeu vidéo comme production d'art et de créer ce lien puisqu'on sait que de la littérature arrive des bandes dessinées, de la bande dessinée des films, parfois des films, des jeux vidéo, ou parfois le contraire, des jeux vidéo, de la bande dessinée, ou parfois des livres. Donc effectivement, on a ce lieu de médiation culturelle qui est en cours de réalisation. Donc voilà pour le patrimoine mosellan en matière de production culturelle. Je tiens à finir simplement en disant que je parlais de cet événement, de ce congrès, l'importance de ces moments professionnels. Je dirais simplement, et je crois que vous avez fait un clin d'œil avec la question du jour, qui est celle des organisateurs de cet événement. La bibliothèque est-elle indispensable? C'est ça, les bibliothèques sont-elles indispensables? Je crois que ça fait référence à quelques heures qu'on a connues où on se posait la question de qu'est-ce qui était indispensable à la nation ou non. Et effectivement, je tiens à rappeler qu'effectivement, mais vous y répondrez au fur et à mesure de vos discussions. Oui, on le sait, on le découvre, on l'a découvert d'autant plus. La culture, de manière générale, est bien indispensable pour notre vie, pour notre philosophie, pour notre intégration sociale. Mais plus encore que la culture, je crois que, et je le dis autant en tant que maire qu'en tant que vice-président en charge de la lecture publique, on sait que le premier outil culturel dans les départements, dans nos villes, c'est bien les bibliothèques, parce que c'est le premier des lieux d'intégration culturelle, parce qu'il y a dans quasiment toutes les villes et villages de France des bibliothèques, qu'elles soient associatives, communales, intercommunales, départementales. Il y a des initiatives qui fondent un réseau dans tous nos territoires. Effectivement, c'est ce maillage qui donne une force culturelle à nos départements, à nos communes, et c'est le premier lieu de médiation culturelle, parce qu'il faut bien des lieux où on se pose des questions, où on fait de la médiation culturelle, où on a la capacité de pouvoir simplement lire ou avoir à disposition des produits culturels. Et effectivement, aujourd'hui, sans vouloir répondre et avoir l'arrogance de répondre à votre question, mais avant que vous puissiez vous la poser tous ensemble, j'ai tendance à vous dire que c'est pas simplement effectivement la culture qui est indispensable, mais bien les bibliothèques, puisque vous êtes le premier lieu de proximité en matière culturelle partout sur le territoire français. Donc merci à tous et je n'ai plus qu'à vous dire une chose, bon congrès à tous. Bonjour à toutes et à tous, monsieur le maire, monsieur le vice-président. Nous vous souhaitons donc la bienvenue à ce 67e congrès de l'ABF. Un congrès forcément particulier, puisque c'est le premier où nous nous retrouvons physiquement depuis 2 ans, après une édition 2020 annulée et une édition 2020 en ligne. Cette édition 2021 initié dans un contexte de contraintes, nous a finalement permis de proposer un format gratuit et accessible à tous,
avec un bilan de 2000 connexions sur les sessions proposées en ligne. Cette expérience nous a finalement convaincus d'essayer de poursuivre l'expérience de la diffusion gratuite en ligne pour les personnes ne pouvant se déplacer, raison pour laquelle 3 séances de ces 3 jours seront diffusées sur nos réseaux sociaux et pourront être suivies par les collègues n'ayant pu se déplacer. C'est également un congrès de transition entre 2 mandats, un nouveau bureau national, un nouveau conseil national, des CA renouvelés dans les régions, l'occasion de remercier chacun et chacune de son engagement et du temps accordé à maintenir le dynamisme des groupes et des commissions, mais aussi de la formation, un volet important de l'activité de l'association. Il est de tradition dans ce calendrier de transition de donner la parole au président ou à la présidente sortante, mais Alice Bernard, présidente du mandat précédent, n'est pas présente aujourd'hui, raison pour laquelle Lauriane de Mongeon et moi-même prenons également la parole au nom du bureau précédent pour souligner à quel point ce mandat 2019-2021 aura été celui de toutes les surprises, un mandat durant lequel nous nous serons trop peu vus. Je fais un clin d'œil à Chantal, Martine, Agnès et tout particulièrement Alice, de la remercier pour l'engagement dont elle a fait preuve et de lui donner une petite place parmi nous aujourd'hui en reprenant une des phrases de son discours d'inauguration du congrès 2021. Gardons le meilleur des moments traversés et avançons. Alors nous avançons et nous avançons avec un nouveau bureau dynamique et motivé que je salue également. Anne-Marie, Éléonora, Jean-Rémy, Julien qui pouvaient être parmi nous aujourd'hui et Lauriane qui continue l'aventure aussi avec nous. C'est également un premier congrès sans Olivia de la Panetterie, salariée de l'ABF pendant 30 ans, déléguée générale depuis 2012, qui est partie pour d'autres aventures et que nous tenions à saluer et remercier également. Dans les petits mots de revoir qu'on avait préparés pour le départ d'Olivia, je racontais le souvenir de ma première rencontre avec elle, c'était lors du congrès de Lille en 2011. J'ai été volontaire pour remplir les sacs et elle m'avait briefé de manière un peu autoritaire et directive qui m'avait super impressionnée et super intimidée. Et c'est qu'au fil des années, en m'investissant petit à petit, que j'ai appris à la découvrir. Mais Olivia et le congrès, c'était une affaire qui roulait et grâce à ses précieux conseils notamment, une organisation bien rodée qui a été reprise cette année avec énergie et motivation par l'équipe salariée Aurélie, David et Mélanie qui sont présents et que nous remercions vivement. Un congrès, c'est aussi grâce à un comité de pilotage qu'il peut être tenu. Et là encore, le comité de pilotage a travaillé de manière un peu rock'n'roll, puisque le sujet avait d'abord été envisagé pour 2021. Il s'est retrouvé décalé d'un an. Un dossier mené avec beaucoup de mails, beaucoup de documents partagés, beaucoup de visio. Mais le groupe de travail a réussi à relever le défi pour proposer le programme de ces 3 journées. Ce comité de pilotage, il est ouvert à tous, élargi aux partenaires. Et nous en profitons pour remercier très chaleureusement Interbibli, qui a participé au montage de ce congrès cette année. Et aussi un clin d'œil à la FIL, qui était sur l'édition 2021 proposée en ligne. Conséquence d'un calendrier mouvementé, le thème de cette année a donc été proposé à l'automne 2020 et interroge la notion de service indispensable. Les professionnels de la culture et des arts, faisaient alors face à une catégorisation de leurs activités sous 2 étiquettes, essentielles, non essentielles. Alors qu'une forme d'épuisement s'installait et que des formes innovantes étaient inventées dans toutes les bibliothèques. Alors, comment sommes-nous passés des établissements parmi les premiers à ouvrir à des établissements fermés, puis ouverts lorsque les autres lieux de culture étaient fermés ? Est-ce que nous sommes essentiels, comme les librairies ? Sommes-nous indispensables, quel que soit le type d'accueil, les services offerts, les publics ciblés ? Le sommes-nous aux yeux des usagers, de tous les usagers dans leur diversité ? Le bibliothécaire est-il indispensable ? Les collections le sont-elles également ? Dans le contexte de la diversification de nos services et de nos métiers, sommes-nous des établissements culturels tout à fait comme les autres ? À l'annonce du thème et de l'appel à contribution, les réactions des collègues ont été nombreuses et ont révélé finalement toute la complexité de la question.
Il y a ceux et celles qui s'en sont étonnés, mais finalement pour des raisons inverses. Évidemment que nous sommes indispensables, mais c'est évident que nous ne le sommes pas. Nous ne sommes pas sûrs ce matin qu'il y ait une réponse finalement à cette question. Peut-être sommes-nous plus indispensables pour certains que pour d'autres, peut-être ne le sommes-nous pas du tout. Néanmoins, ce questionnement sur notre rôle et notre utilité nous permet d'interroger nos pratiques, nos missions et peut-être leurs limites. Nous espérons que ces trois journées enrichiront le débat, les réflexions et les discussions. Les rencontres, ateliers et tables rondes de ces trois jours aborderont les questions de public, de territoire, de service, de notre métier sous toutes ses formes, des éclairages transfrontaliers, internationaux, mais également trois conférences de début de journée qui sont proposées dans l'idée d'apporter des éclairages non bibliothéconomiques du sujet. Et on en profite pour remercier l'ensemble des intervenants. Et au-delà des interventions professionnelles, un congrès, c'est aussi des temps de rencontres et des échanges qui sont humains et très forts. Le salon professionnel, qui est gratuit et ouvert à toutes et à tous, pour aller à la rencontre des fournisseurs, partenaires, actuels ou potentiels. Et nous remercions également vivement l'ensemble des exposants qui sont nombreux à avoir répondu présent cette année. Ils sont 73. Et ils ont répondu dans un calendrier qui pouvait, là encore, être incertain au moment du montage de ce congrès. Donc un soutien qui est très précieux pour nous. Et puis c'est aussi la valorisation de la ville et de la région, comme ont pu le rappeler les élus tout à l'heure. Une région qui est accueillante et grâce au soutien des politiques locales et à l'investissement du groupe régional, le programme d'animation est varié, dense, il faut le dire également. Et il tient surtout grâce au bénévolat et lien avec les collègues et partenaires locaux. Donc je remercie à nouveau le groupe Lorraine pour tout le travail effectué et le dynamisme dans cette organisation pour les trois journées et fin de journée. Notre association, comme beaucoup d'autres associations ou entreprises, sort évidemment fragilisée de ces deux années. Il est question ici de fragilité économique, ne le cachons pas, mais également de baisse régulière des adhésions depuis 2016. Les groupes régionaux se mobilisent, le bureau et le conseil national également, le travail est en cours, mais ce qui fait la force et la vitalité de cette association, ce sont les adhésions. Chaque adhésion est une voix de plus dans la représentation de la profession dans l'espace public. Nous avons tous mesuré, si nous en doutions, à quel point une association professionnelle est indispensable et à quel point cette association a été importante au cours de ces deux dernières années. Nombreux sont les collègues qui l'ont exprimé ces derniers mois. Pour la première fois, une loi bibliothèque a été votée en décembre dernier. Il faut désormais s'en emparer, la comprendre, la traduire en action et convaincre les politiques. Les bibliothèques ont leur place et leur rôle dans les grands enjeux actuels, décryptage de l'actualité, accès à l'information, enjeux environnementaux, inclusion numérique, liberté d'expression, droits culturels, lieux de rencontre et d'échange. Les dossiers sont nombreux et sont l'affaire de tous et toutes. On ne peut pas non plus évacuer la situation de la guerre en Ukraine qui, après le Covid, vient encore nous bousculer. C'est l'occasion de réaffirmer que les bibliothèques, naturellement, et comme la culture en général, œuvrent pour la paix et le dialogue, pour le développement de l'esprit et de la raison critique, contre le populisme et le révisionnisme. Encore tous nos remerciements envers les intervenants et surtout toutes les petites mains bénévoles qui œuvrent dans l'ombre pour faire de ce congrès une réussite, les exposants également ainsi que la SOFIA pour son soutien. Il ne nous reste qu'à vous souhaiter un congrès empli d'explorations professionnelles, de discussions avec les acteurs présents sur le salon, de belles rencontres humaines et de découvertes du riche patrimoine culturel et gourmand de la Lorraine. On a tardé à trouver une conclusion à ce discours, mais c'est Christian Massot qui l'a trouvé hier soir. Donc je lui rends sa citation. Ce sera forcément un très bon congrès parce que nous nous sommes manqués. Nous avons un timing à peu près presque parfait, même en avance. Je vais laisser la parole à Marilyn Maezo qui va intervenir pour cette première conférence et pour l'ouverture du congrès.
je commence ou... Non, c'est pour savoir si je commence ou si j'attends. Bonjour à tous et à toutes. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Je suis ravie d'être parmi vous. Je ne suis pas des vôtres au sens où je ne suis pas bibliothécaire, mais je trouve votre profession extrêmement importante et j'étais curieuse de pouvoir venir discuter avec vous ce matin. Donc je vais intervenir, donc je vais d'abord parler forcément, mais je vais essayer de ne pas être trop long non plus parce que j'aime bien le format où il y a un échange ensuite avec la salle. J'aime pas trop le format professoral ex cathedra où je parle pendant que vous écoutez doctement. Enfin, c'est pas le plus agréable, surtout sur un sujet comme celui-ci qui nous concerne tous. Pour commencer, si vous me le permettez, et parce que je suis incapable en bonne camusienne de répondre abstraitement à une question aussi générale que celle qui a été posée ce matin, les bibliothèques sont-elles indispensables ? Je vais partir d'abord de ma propre expérience. Est-ce que les bibliothèques, de mon point de vue, sont indispensables ? Disons qu'au regard de mon parcours personnel et de mon parcours professionnel, la question sonne un peu comme rhétorique. Les bibliothèques sont-elles indispensables ? Tout simplement parce que, à toutes les croisées de chemin que j'ai pu fouler, il y a eu une bibliothèque et des livres. C'est la découverte de Victor Hugo en 5e, au CDI de mon petit collège à Moggio, c'est un petit village dans l'Hérault, qui m'a introduit à la littérature, qui est aujourd'hui toujours pour moi une passion extrêmement forte. Ça a commencé comme ça, c'est tout bête, hein. La découverte de Notre-Dame de Paris et puis cette carte de bibliothèque qu'on vous remet en vous disant qu'elle vous autorise à non seulement lire mais emprunter des livres, les amener chez vous, les dévorer puis les ramener en emprunter d'autres. C'était génial si vous voulez cette découverte. Après il y a eu un peu plus tard, à 17 ans, la lecture du mythe de Sisyphe après que notre professeur de philosophie nous ai distribué la première page en classe. Je suis allée l'emprunter au CDI de mon lycée. J'étais à Londres, au lycée français Charles de Gaulle. Et c'est ce livre en fait, qui m'a littéralement sauvé la vie, puisque c'est un livre, hein, pour ceux qui le connaissent, qui commence par une phrase célèbre. Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Et j'avais 17 ans et j'étais suicidaire et ce livre m'a sauvée de ça. Donc quand on vous demande parfois à quoi sert la philosophie ou à quoi servent les livres, j'ai généralement une réponse qui est assez tranchée sur la question. Ça peut littéralement sauver des vies. Je ne vais pas vous faire l'intégralité de ma biographie, mais je pourrais continuer comme ça indéfiniment. Parler de mes années d'agrégation que j'ai passées à la bibliothèque de l'École normale supérieure rue d'Ulm, qui est incroyable parce qu'elle a différentes salles, elle en a 7, et chaque salle à une histoire, a été construite à une période différente, ça se voit dans les murs, ça se voit dans l'organisation même des rayons, de la plus récente qui est la 7e, qui est la salle de philosophie, à la plus ancienne qui est la salle historique, la salle 1, la salle de littérature qui est généralement celle qu'on montre à la télévision avec le parquet, les vieilles étagères, l'échelle pour monter aux étagères. J'ai passé mon année d'agrégation fourrée à la bibliothèque pour travailler, pour lire, pour rencontrer aussi d'autres agrégatifs, pour se soutenir. Et puis après, les années de thèse à la BNF. Je suis devenue parisienne par la force des choses, mais je suis quand même restée attachée aux premières bibliothèques que j'ai croisées dans mon Languedoc natal. Et ce qui fait que cette question, pour moi, en fait, ne se posait pas vraiment avant que vous me la posiez ce matin. Donc on va essayer de dépasser cette première évidence et d'essayer de comprendre d'où elle vient exactement. J'ai envie de dire que si je me fie à ma propre expérience, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui, je ne serais peut-être même pas là aujourd'hui, si je n'avais pas croisé sur mon chemin des bibliothèques, que ce soit le petit CDI du collège ou la petite bibliothèque ou la petite médiathèque de mon village, et les bibliothécaires, les personnels qui y travaillent, qui ont su faire des recommandations, qui même parfois allaient au-delà de leur métier, hein, quand vous êtes la petite élève ou la petite étudiante qui pleure parce qu'elle a passé un mauvais moment ou elle a vécu quelque chose de difficile, j'ai réalisé que les bibliothécaires étaient souvent des personnes, vous allez dire que je suis là pour vous flatter, mais c'est juste mon expérience, des personnes extrêmement humaines, comme quoi je pense que la culture permet une ouverture et un développement de l'empathie qui peut faire défaut lorsque elle est absente. Et ce que je remarque aussi, c'est que sans avoir été totalement privée de bibliothèque à la maison, puisqu'il y avait une bibliothèque familiale, ça n'est vraiment qu'avec les bibliothèques publiques,
les CDI ou les bibliothèques municipales, que j'ai pu avoir accès à ce qu'on appelle, faute d'un terme meilleur, au classique. Parce que chez moi, il y avait essentiellement des livres de cuisine, parce que ma mère adore cuisiner, et elle fait ça très bien. Il y avait des BD, ce qui est génial, hein, j'ai toujours regardé cette passion pour la BD française et au-delà. Je connais sur le bout des doigts Lucky Luke, Astérix, Boule et Bill, les Schtroumpfs, Tintin, etc. Parce que j'avais ça à la maison, c'est une chance. Et il y avait quelques livres d'histoire, malheureusement tous sur le même sujet ou la même période historique, qui était la période napoléonienne, puisque c'était une passion de mon grand-père. Et voilà, c'était ça, la bibliothèque familiale. Ce qui donne un horizon qui est quand même assez réduit, vous en conviendrez. Vous imaginez bien qu'en découvrant Victor Hugo, puis en découvrant ensuite toutes les étagères de la littérature française et puis de la littérature internationale, dans mon petit niveau qui était celui de mon CDI local, j'ai découvert des horizons insoupçonnés qui m'ont beaucoup aidé à élargir mon esprit. Et la conviction que j'en ai tirée, c'est que les CDI, comme les bibliothèques municipales, sont ce qu'on pourrait appeler des biens communs. Des biens communs au sens le plus complet du terme, c'est-à-dire des lieux où chaque citoyen, indépendamment de son milieu socio-culturel, de son parcours, de sa particularité, de sa différence, a la possibilité de découvrir un univers culturel susceptible de l'armer intellectuellement, et même parfois spirituellement, pour affronter l'existence. La possibilité aussi de changer sa vision du monde, en tout cas de l'agrandir, de l'ouvrir, au-delà de ce qu'il avait pu imaginer, mais aussi de lui offrir des instants d'évasion qui sont parfois nécessaires dans le quotidien. Je souris toujours quand je passe, parce que ça m'arrive encore de passer dans les rayons de ma petite médiathèque à Moggio, là où j'habitais quand j'étais petite, et de voir les collégiens, voire les élèves encore plus jeunes que le collège, l'école primaire, qui sont assis dans les rayons, qui prennent même pas la peine de se mettre à une table, qui sont assis dans les rayons avec leurs BD ou avec leurs petits livres en train de feuilleter, comme si le reste du monde n'existait pas. Et on aimerait parfois pouvoir percer un peu la bulle et voir ce qui se passe dans leur tête quand ils sont comme ça dans leur petit univers. Et ces lieux, je pense que c'est important de le noter, même si ça a été évoqué un peu ce matin, il me semble, ils ont aussi l'avantage de corriger une injustice qui est celle incarnée notamment par les bibliothèques personnelles, à savoir que, en fonction de votre milieu socio-culturel, en fonction de votre milieu familial aussi, en fonction de vos moyens financiers, on n'a pas tous accès aux livres de la même manière, on n'a pas tous la même possibilité d'avoir une bibliothèque à la maison ou de la remplir de la même manière. L'avantage des bibliothèques publiques, c'est qu'elles suppriment ça, puisque tous les livres sont accessibles à tout le monde, indépendamment de qui on est, de ce qu'on possède, et de ce qu'on a ou de ce qu'on n'a pas. Et ainsi, avec l'école, dont la fonction est de nous fournir des connaissances et de nous aider à développer des facultés indispensables au développement de l'esprit et au-delà, les bibliothèques jouent, en commun avec l'école, un rôle de redistribution des richesses culturelles, en fait. Ça n'est pas une panacée, donc c'est pas une façon de supprimer par le pouvoir des livres et des bibliothèques l'injustice sociale. En revanche, c'est un moyen de, dirait Camus, de la diminuer arithmétiquement, de faire en sorte que à chaque niveau, que ce soit au niveau national ou au niveau local, on ait la possibilité de sortir les personnes qui sont moins favorisées par l'existence du milieu dans lequel elles sont nées, pour leur donner la possibilité d'en découvrir un autre et de les rassembler avec les citoyens un peu plus chanceux. Et de ce point de vue, à mon sens, les bibliothèques ont pour mission de veiller à ce qui doit demeurer un bien commun, la culture, les livres et les autres supports qu'on peut trouver dans des bibliothèques ou des médiathèques, à ce qu'ils ne deviennent pas le privilège d'une élite. C'est pour ça que je tiens à cette notion de bien commun, en fait, parce que souvent, et aujourd'hui, il me semble que c'est particulièrement marqué quand on en discute, que ce soit en direct ou via les réseaux sociaux, il y a un sentiment assez partagé d'isolement social ou de rejet ou d'exclusion.
l'idée qu'il y a l'élite qui a la culture, qui a les études, qui a les livres, qui a tout, et puis il y aurait le peuple, ou comme pour employer une expression hideuse qui a beaucoup circulé, les sans-dents, qui, eux, n'auraient pas accès à la culture, parce que même quand même ils pourraient rentrer dans la bibliothèque, vu qu'ils n'ont pas eu accès aux mêmes études, ils n'ont pas forcément la capacité de pleinement profiter de tous les livres qui y sont présents. Il y a ce sentiment, si vous voulez, de fracture qui perdure, et c'est pour ça qu'il me semble que votre métier me semble indispensable, parce que c'est justement celui qui consiste à faire en sorte que le curseur ne vire pas du côté du privilège et demeure du côté de la notion de bien commun. Au sens où les bibliothèques sont les garantes d'un droit fondamental à jouir de ce qui me semble être un patrimoine universel, en fait, qui n'est pas le propre ni d'un groupe limité, ni même d'un seul pays ou d'une culture, qui est un patrimoine extrêmement international, disons. Et c'est pour contribuer à mon petit niveau à ce travail, et parce qu'il est indispensable aujourd'hui de favoriser l'accès aux textes et le développement de la lecture pour tous, que j'ai créé avec un petit groupe de collègues il y a un an une association qui s'appelle Tête à Texte, donc qui, comme son nom l'indique, vise à diffuser et valoriser la lecture, l'accès aux textes pour tout le monde, et en particulier pour les catégories sociales qui en sont encore un peu trop exclues. Et je suis honorée d'avoir la possibilité aujourd'hui d'évoquer avec vous les raisons qui nourrissent cette conviction selon laquelle les bibliothèques sont indispensables et la diffusion de la lecture également. Pourquoi dire que la lecture et l'accès au texte pour tous est indispensable aujourd'hui? Pourquoi c'est quelque chose d'essentiel, contrairement à ce qu'on a pu entendre, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, durant les confinements? Pourquoi c'est quelque chose qui n'est pas, si vous voulez, de l'ordre du luxe ou du dispensable? La réponse, pour moi, c'est que sans élever les livres au rang de panacée, hein, je le disais tout à l'heure, sans prétendre qu'ils ont le pouvoir de supprimer tous les maux du monde instantanément, si c'était le cas, on le saurait depuis longtemps, je crois sincèrement qu'ils peuvent contribuer à lutter contre un certain nombre de ces maux et à les diminuer autant que faire se peut. Je ne vais pas faire la liste des raisons qui me viennent de soutenir et d'alimenter cette conviction, mais je vais simplement en évoquer quelques-unes avec vous aujourd'hui qui me tiennent particulièrement à cœur et qui sont d'ailleurs au cœur de mes recherches et des sujets sur lesquels j'ai écrit récemment. La première conviction qui me vient à l'esprit quand je pose cette question avec vous, hein, pourquoi les bibliothèques sont-elles indispensables, moi je la corrige, pourquoi sont-elles indispensables? Je dis que oui, maintenant il faut expliquer pourquoi. La première raison, c'est qu'elles sont un outil extrêmement précieux pour lutter contre les phénomènes de repli sur soi, contre la montée des idéologies identitaires et contre la diffusion massive des discours de haine qui est rendue possible par l'avènement d'Internet, puis des réseaux sociaux. La lecture, en fait, pourquoi elle permet de lutter contre ça? Parce qu'elle offre une fenêtre irremplaçable sur l'altérité, sur ce qui nous permet littéralement de sortir de notre petit monde clos, nos petites certitudes, nos petites convictions, nos petits préjugés. Ce n'est un secret pour personne. Hein, en le disant, j'enfonce une porte ouverte, mais il faut bien commencer quelque part. Notre société est clivée. Je ne dirais pas qu'elle n'était pas avant, mais elle est clivée autant au moins qu'elle l'était à d'autres périodes, et en plus elle l'est de nouvelles manières grâce à l'avènement des nouvelles technologies. Bon, si vous voulez, à chaque fois qu'on invente une nouvelle technologie, on invente de nouvelles manières de se diviser, de s'insulter les uns les autres, de multiplier ce qu'on appelle en franglais des clashs. Pensez certainement à certaines émissions en particulier quand je dis ça. Et notamment, ce qui n'est pas non plus un secret pour personne, c'est que l'omniprésence des discours de haine, que ce soit des haines racistes, sexistes, homophobes, antisémites, etc., que ce soit sur Internet hein, ou dans l'espace public, des discours qui sont parfois accompagnés, on le sait, d'agressions sur les personnes visées, tout cela favorise chez beaucoup le sentiment d'être un citoyen de seconde zone,
d'être un citoyen qui n'a pas sa place parmi les autres parce que son existence, ses droits sont toujours mis en question. Et cette conviction, si vous voulez, favorise le repli sur soi comme seule solution pour supporter et survivre. Si après tout, ils sont si nombreux à ne pas vouloir de nous, autant rester entre nous. Le problème avec cette logique, c'est que le repli sur soi peut être une solution provisoire pour lorsqu'on est dans une logique de survie, mais à long terme, c'est aussi un enfermement qui peut se traduire par l'impossibilité de faire des choix individuels, d'aspirer à autre chose, de faire des choix de carrière ou d'apprécier des choses qui ne sont pas forcément habituelles dans le groupe dans lequel on vit. Et les livres, justement, à mon sens, donnent à chacun la possibilité de s'ouvrir à ce qui ne lui ressemble pas au premier abord, à ce qui n'est pas familier, à ce qu'il ne comprend pas, voire à ce qu'il regarde d'un œil inquiet ou réprobateur. La lecture permet ça. La lecture, c'est la possibilité d'avoir dans la paume de votre main une multitude d'expériences, de vies différentes de la vôtre, la possibilité de les vivre à travers votre propre lecture. C'est la possibilité de découvrir des cultures qu'on ne connaissait pas. C'est la possibilité d'être familiarisé avec des périodes de l'histoire qu'on ne connaissait pas forcément, qu'on connaissait mal. C'est la possibilité aussi de vivre des expériences du point de vue de l'autre, lorsque d'habitude on est de l'autre côté, si vous voulez. Je vais prendre quelques exemples pour illustrer ça. Un texte que j'aime souvent faire étudier à mes élèves en terminale en classe de philosophie, c'est la conférence de Lévi-Strauss à l'UNESCO, Race et Histoire. Je ne sais pas si vous avez en tête la conférence en question. C'est une conférence notamment dont est tirée la célèbre formule « Le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie ». Bon, cette formule, pour moi, c'est vraiment l'art de synthétiser en une phrase extrêmement concise la quintessence de toute forme d'intolérance et discrimination. S'il y avait une formule mathématique, si j'ose dire, pour résumer ça, ça serait celle-là. Le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie. Et c'est un paradoxe, pourquoi ? Parce que la logique discriminatoire, le racisme, et toutes les discriminations qui lui ressemblent, sont contradictoires, en fait, sont absurdes quand on creuse un petit peu. Pourquoi c'est important de lire Lévi-Strauss ? Pourquoi ça aide mes élèves de lire Lévi-Strauss ? Parce que quand vous avez enseigné, comme c'est mon cas, dans des secteurs avec des classes extrêmement diverses socialement, avec des élèves dont jusqu'au prénom a été stigmatisé par certains distributeurs de haine. Moi, j'ai eu des élèves qui sont venus me voir le matin après avoir entendu tel ou tel discours d'un certain polémiste d'extrême droite que je ne nommerai pas parce que pas envie de lui faire de la pub, en me disant « Est-ce que c'est vrai que mon prénom m'exclut de la République ou fait de moi un Français qui refuse de s'intégrer simplement parce que le prénom qu'on lui a donné à la naissance, si vous voulez, venait d'être mis en question ?» à la télévision nationale sans que le présentateur n'interrompe ou ne remette en question. Quand vous faites découvrir à ces élèves qui de ce fait se sentent perdus, sont en colère, ont énormément de rancœur, généralement ça peut déboucher y compris sur des comportements violents, quand vous leur faites découvrir Lévi-Strauss, que vous leur montrez que très tôt, bien avant leur naissance, bien avant la mienne, il y a un penseur, et c'est pas le seul, qui a posé cette question sur la table, qui l'a analysée, qui a mis des mots dessus et qui a expliqué le fonctionnement de ce phénomène. Comment on fabrique le racisme ? Et surtout, qui a retourné la table en disant on parle souvent de la figure du barbare, tout le monde semble prêt à désigner le barbare, mais par contre, est-ce que on a déjà songé au fait que le barbare, c'est surtout une notion, ou c'est d'abord une notion qui sert à se cacher à soi-même sa propre barbarie ? Le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie. Ce que ça veut dire, c'est on fabrique souvent la figure du barbare pour s'élever soi-même par comparaison, par opposition, comme étant la figure, l'incarnation de la civilisation, et pour mieux s'autoriser des comportements qu'on s'empresserait de condamner chez l'autre. La meilleure illustration de ça, hein, il y en a plusieurs, mais je pense notamment à la controverse de Valladolid, qui a donné le roman de Carrière, où on a des colons qui sont persuadés d'apporter la civilisation et d'incarner la civilisation et qui s'autorisent des comportements de torture, des comportements déshumanisants
tout en considérant que les Indiens sont des sauvages parce qu'ils ont tel et tel comportement. Cela dit, Montaigne le disait déjà dans son essai sur les cannibales, en expliquant qu'on est horrifié par ce que font les cannibales, mais on est beaucoup moins horrifié par les guerres où on s'entretue sans aucune raison. Pourquoi ? Parce que quand on a désigné le barbare, ça nous épargne la peine d'avoir à regarder soi-même la barbarie que l'on s'autorise. Vous discutez de ce texte avec les élèves, et d'un seul coup, ils sentent moins seuls. Un peu comme moi, je me sentis moins seule quand le problème que je vivais comme un drame personnel, comme quelque chose d'un peu honteux qu'on ne peut pas partager avec les autres, ben d'un seul coup, j'ai découvert que c'était un problème philosophique, le suicide. Ce n'est pas juste quelque chose qu'il faut vivre, enfin, avec quoi il faut vivre sans en parler. C'est quelque chose qui non seulement est un problème philosophique, mais qui donc est l'affaire de tous. C'est quelque chose qui peut toucher n'importe qui à n'importe quel moment. Là, vous avez des élèves qui sont exclus. Vous leur montrez qu'en classe de philosophie, à l'école de la République, on peut traiter de ce sujet. Lévi-Strauss est au programme, et d'un seul coup, ça les réintègre, si vous voulez, un petit peu, dans cet espace commun dont ils se sentaient exclus. Mais au-delà de l'univers purement scolaire, qui est celui où j'enseigne, on peut aussi penser à des textes que chacun peut lire chez soi. Je pense à un notamment, si vous prenez l'exemple de « Chansons douces », de Leïla Slimani. Bon, quand on est parent et qu'on a eu l'occasion d'avoir recours à une nounou, le fait de passer de l'autre côté, de se poser des questions qu'on ne s'était jamais forcément posées. Qu'est-ce qui peut arriver à une nounou? Qu'est-ce que c'est qu'être une nounou? Quelle est sa situation? Est-ce qu'elle vit dans la précarité? Et quel genre de drames, en fait, peuvent couver dans ce genre de rapports parfois un peu toxiques, voire de rapports de force qui peuvent se créer entre un employeur et son employé quand la relation se fait en dehors de tout cadre officiel. Bon, vous lisez le roman de Leïla Slimani, ça met une claque parce que justement, vous voyez les choses de manière complètement différente. Vous ne découvrez pas un univers complètement étranger parce que si vous avez déjà une nounou, vous savez ce qu'est une nounou, vous savez quel est son rôle, vous avez déjà interagi avec elle. Par contre, vous découvrez le même univers, mais vu de l'autre côté. Et c'est cette force-là qu'on les livre, en fait, à la fois de nous faire découvrir des univers complètement étrangers et des expériences qu'on ne connaissait pas, et en même temps, de nous faire redécouvrir des choses qu'on croyait connaître. Parce qu'on les regarde de biais, on les regarde à travers le regard de quelqu'un d'autre, ce qui est un bien précieux, hein, de pouvoir sortir de soi-même et parfois se regarder soi-même au travers du regard de l'autre. Par exemple, moi je sais quand je lis dans des romans, dans des livres, des personnages de professeurs, en tant que professeur, ça me permet de me voir différemment lorsque c'est l'élève, par exemple, qui regarde le professeur, qui le décrit et qui décrit sa propre expérience en classe. C'est extrêmement, extrêmement enrichissant. Et l'autre et dernier exemple que je prendrai pour illustrer ce point, je le prends parce que c'est un exemple que j'ai mis en pratique très récemment, c'est « La vie devant soi » de Romain Gary. Bon, c'est un livre magnifique, c'est un livre, je ne vais pas le résumer, mais où on découvre le parcours d'un petit garçon qui s'appelle Momo, qui est le fils d'une prostituée qui n'a jamais connu ses parents et qui a été recueilli par une ancienne prostituée qui s'appelle Madame Rosa, qui est une femme juive. Lui, il est musulman, c'est tout ce qu'il sait en fait, de son passé. Et c'est un livre qui, à la fois, ce qui est un paradoxe à lui tout seul, puisque c'est un livre à la fois extrêmement tendre et extrêmement dur, extrêmement violent. On a un enfant qui a grandi dans un milieu violent, un enfant qui lui-même est pétri de préjugés racistes, antisémites, sexistes. Et en même temps, c'est un enfant qui vit chez une femme juive, qui la déteste et qui l'adore. Enfin, c'est extrêmement fort comme texte. Et j'en ai parlé récemment dans un lieu à Paris, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est la cité scolaire François Villon, où il y a des élèves qui, pour certains, pour beaucoup d'entre eux-mêmes, ont des parcours de vie extrêmement difficiles. Et j'ai été amenée, puisque je venais parler des préjugés, notamment des stéréotypes de genre, j'ai été amenée à parler de ce livre où justement on a un enfant qui est pétri de stéréotypes et pourtant il est extrêmement attendrissant parce que justement il nous ressemble et parce qu'on devine en fait, à la fois dans son passé chaotique et dans la vie qu'il a devant soi, les possibilités qui vont s'ouvrir à lui parce qu'il a été mis au contact de l'altérité, parce qu'il a été mis au contact de gens qui ne lui ressemblent pas, y compris de gens vis-à-vis desquels il avait des préjugés assez méchants, et il apprend, si vous voulez, en entrant vraiment en contact de ces personnes. Et à l'issue de cet échange, où j'ai parlé de Romain Gary, finalement pas très longtemps, hein, si on replace ça dans le cadre de l'intervention générale, j'ai une élève qui est venue me voir, en me demandant la référence, en me demandant de lui parler un peu plus de Romain Gary.
Ça peut avoir l'air de rien du tout, ça, mais ça, c'est le genre d'expérience que j'ai aussi dans le cadre scolaire. Quand vous parlez d'un auteur que vous n'avez pas le temps en fait, d'explorer comme vous le devriez parce que vous êtes en classe, parce qu'il y a un programme ou parce que vous êtes en intervention et que vous avez beaucoup de choses à évoquer, et que vous avez simplement, parce que vous avez posé quelques graines des élèves qui viennent et qui vous demandent la référence parce qu'ils veulent aller chercher le livre à la bibliothèque justement de leur collège ou de leur lycée, vous vous rendez compte que vous avez créé une passerelle en fait, que c'est des élèves qui ont réalisé que des questions qui s'étaient posées ou des réflexions qui s'étaient faites, mais qu'ils n'osaient pas forcément partager parce qu'ils les estimaient peut-être pas légitimes, voire peut-être honteuses. Non seulement elles sont légitimes, non seulement il n'y a rien de honteux, mais en plus il y a un grand écrivain français qui a écrit dessus et qui a reçu le Goncourt. Ça fait complètement changer la perspective et ça détend un certain nombre de tensions qu'ils pouvaient avoir. Et en résumé, ce que j'essaye de dire en prenant ces illustrations, c'est que comprendre l'autre en se mettant à sa place, ou plutôt, parce que j'aime pas trop l'expression se mettre à sa place, ça veut pas dire grand-chose, en voyant le monde à travers ses yeux, ça me semble plus fidèle à ce qu'est l'expérience d'un livre, c'est le meilleur moyen de lutter contre l'assignation identitaire, que l'on s'impose à soi-même ou que l'on impose aux autres, hein, parce que c'est le même phénomène dans les deux cas, en montrant que si rien ne remplace évidemment la singularité d'un vécu, c'est pour ça que les témoignages sont absolument irremplaçables, malgré tout, une situation n'a pas forcément besoin d'être vécue dans sa chair pour être comprise, suffisamment en tout cas pour permettre la compréhension, l'empathie, le sentiment de solidarité vis-à-vis de l'autre, y compris si on ne vit pas ce qu'il vit, si on ne subit pas la même situation. Parce que ça, quand vous êtes professeur, et je ne sais pas si en tant que bibliothécaire vous l'avez vécu aussi, mais souvent vous avez ce sentiment d'impuissance au départ, quand vous commencez, quand vous rencontrez certains élèves, de vous dire qu'ils s'enferment en eux-mêmes en partant du principe que, comme vous ne vivez pas ce qu'ils vivent, soit parce que vous êtes prof et qu'ils sont élèves, donc il y a cette logique de statut qui joue, soit parce que vous êtes vieille à leurs yeux et qu'ils sont jeunes, soit parce que vous êtes une femme, soit parce que vous n'êtes pas de la même religion, soit parce que vous n'êtes pas du même milieu socioculturel, je pourrais continuer indéfiniment la liste, vous ne pouvez pas les comprendre. C'est ce cliché d'adolescent, tu ne peux pas comprendre. Ce n'est pas un cliché en fait, c'est un sentiment tout à fait légitime, logique, d'un certain point de vue, qui est partagé par beaucoup d'élèves. Dès que vous arrivez à créer ce genre de passerelle, à leur dire qu'il y a des livres qui peuvent permettre, même si comme ça, quand on est face à face, on a l'air d'habiter deux mondes complètement différents, voire incompatibles, il y a des livres en fait, qu'on peut mettre au milieu, qu'on peut tous les deux comprendre, qu'on peut tous les deux apprécier, ça montre bien qu'il doit y avoir quelque chose de commun entre nous. Et c'est aussi bête que ça. Je ne vis pas la même chose que toi, mais j'ai ressenti des choses, et j'ai compris des choses, j'ai des réflexions qui me sont venues en lisant tel livre de Camus, en lisant tel livre de Romain Gary. C'est particulièrement vrai pour Camus, je suis spécialiste d'Albert Camus, donc je suis un peu biaisée, mais de me rendre compte à quel point des gens qui viennent de tout univers culturel, socio-économique, qui ont vécu des vies sans soupçon, dirait Camus, ou sans grande difficulté, ou qui ont vécu des horreurs, si vous voulez, se retrouvent dans l'œuvre d'Albert Camus. C'est fou de se dire que des livres, en fait, peuvent avoir cet effet-là. Et ce que ça permet de comprendre, hein, parce que disons que l'objectif final c'est quand même aussi ça, c'est que tout ce qui déshumanise, que ce soit la précarité, les injustices sociales, les discriminations, tout ça n'est jamais seulement l'affaire des groupes visés, c'est toujours l'affaire de tous, parce que c'est aussi un enjeu, hein, je m'en rends compte au contact des élèves avec qui je travaille, c'est toujours un enjeu de leur faire comprendre que lorsqu'ils subissent le racisme, ça n'est pas moins mon affaire parce que je ne le subis pas, si vous voulez. Quand ils subissent certaines discriminations socio-économiques ou culturelles, ça n'est pas moins mon affaire parce que je ne les subis pas. C'est un problème parce que dans une société qui se prévaut de valeurs humanistes, si on veut être fidèle à ces valeurs, si on veut que disons, la devise qui est au fronton de nos mairies soit autre chose qu'un objet décoratif, l'existence de tous ces phénomènes qui créent des citoyens de seconde zone, qui créent des gens qui, sur le papier, ont les mêmes droits, mais qui, dans les faits, ne peuvent pas en jouir de la même manière parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens d'en jouir, si vous voulez, ben c'est quelque chose qui... C'est un échec global, si vous voulez, c'est un échec collectif. Et ça, c'est un des enjeux essentiels de l'école. Mais je pense que c'est aussi un enjeu essentiel pour tous les gens qui travaillent autour des livres, que ce soit les bibliothécaires, les libraires, tous les gens qui participent, chacun à son niveau, à diffuser la culture, à faire en sorte qu'elle soit accessible au plus grand nombre, sans exclure personne.
le comprennent, peut-être même mieux que quiconque. Donc ça, c'est la première raison, si vous voulez, celle qui m'est venue spontanément quand je me suis posé la question. Oui, je trouve que c'est indispensable, mais maintenant que je l'ai dit, pourquoi ? Pourquoi ça me paraît indispensable d'avoir des bibliothèques ? La deuxième raison qui m'est venue, en réfléchissant à cette question, en essayant de donner des raisons à ma réponse, c'est que, à l'ère des chaînes d'information en continu et des médias de masse, le contact direct avec les textes peut constituer le fondement d'une hygiène intellectuelle permettant de lutter contre les fléaux contemporains que sont la désinformation et le complotisme. Ça, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, sur lequel j'ai particulièrement travaillé, parce qu'encore une fois, quand vous êtes enseignante, vous voyez les effets pervers de ces phénomènes directement chez vos élèves, quand vous vous rendez compte qu'ils passent beaucoup de temps sur Internet, et des fois, vous êtes en train de faire un cours, je ne sais pas moi, parce que c'est au programme de philosophie sur le vivant, et vous évoquez des choses comme l'évolution, comme le vaccin, et d'un seul coup, vous avez quelqu'un qui lève la main et puis qui vous sort des choses qui parfois vous surprend, parce que même en ayant travaillé sur le complotisme, en connaissant un certain nombre de théories complotistes, vous en découvrez tous les jours, hein, qu'il y a quand même des théories extrêmement élaborées, il y aurait de quoi faire de la science-fiction, mais ce sont des théories qui sont défendues très sérieusement par des gens et que les élèves récupèrent parce que ce sont des théories qui sont faites pour convaincre, en fait, qui sont faites pour réveiller un soupçon, donc pour créer, si vous voulez, un trou dans l'esprit, dans les jeunes esprits en formation, pour aussitôt s'y faufiler. Forcément, si vous creusez un trou qui a la forme exacte de votre discours, lorsque votre discours arrive, dit « Oh, regarde, comme par hasard, je colle parfaitement au trou », c'est un effet dévastateur parce que l'esprit en formation n'a pas forcément conscience de la manière dont ça s'est fait. Et donc, ce que les livres en fait permettent, ce que le retour au texte, aux sources, retour à la source, comme on dit en particulier chez l'historien, permettent, c'est de lutter contre ça. Parce que, il faut quand même le dire, hein, on vit à une époque où les émissions dont je parlais tout à l'heure, qui carburent au buzz, qui carburent à l'invective, qui carburent à la simplification, voire carrément à la désinformation la plus totale. Des émissions ont fait venir non pas le spécialiste ou celui qui a travaillé un minimum avant de venir parler sur le sujet, mais ce que j'appelle le plus fort en gueule, en fait, celui qu'on va entendre le plus, parce qu'il va réussir à interrompre tout le monde, il va réussir à s'imposer, et surtout, parce que c'est une logique économique évidemment qui prédomine, il va réussir à faire en sorte qu'on ne parle que de lui ensuite sur les réseaux sociaux, ce qui va donner de la visibilité à l'émission. Que ce soit en bien comme en mal d'ailleurs, hein, parce que c'est ça le côté pervers de la chose, c'est que bien souvent, ce genre de sortie complètement caricaturale et inutile, c'est massivement condamné, mais comme les gens ne parlent que de ça, ensuite dans ce que j'appelle l'after, hein, c'est-à-dire le moment où on va tous discuter de l'émission, voire pendant d'ailleurs sur les réseaux sociaux, on ne va parler que du grand n'importe quoi qui a été déballé par monsieur machin et on ne va pas parler du sujet de fond. Et le problème, c'est que souvent on ne parle pas de sujets banals qui finalement pourraient être assez anecdotiques si les gens veulent s'écharper dessus, on parle de sujets gravissimes. On parle de choses comme le terrorisme, comme les violences sexuelles, comme l'homophobie, comme le racisme, des choses extrêmement graves. Et tout ça, c'est abordé de manière complètement désinvolte, en racontant à peu près tout et n'importe quoi, devant un public qui est notamment composé de gens assez jeunes, dont mes élèves, et derrière, en tant qu'enseignante, vous êtes obligée de faire le service après-vente, de devoir corriger les erreurs en plus du programme que vous avez à faire, hein, parce que c'est pas comme si vous aviez beaucoup de marge, vous devez corriger ce qui a été dit, vous devez aussi rassurer quand il y a des paniques qui ont été créées, et vous devez recommencer, tel Sisyphe avec son rocher, tout le travail de déconstruction, de préjugés, de rancœur qui a été élaboré jusqu'à présent, parce que vous avez quelqu'un sur un plateau qui s'est mis à s'énerver et à dire que, il n'y a pas de réconciliation possible entre les gens différents, quoi. Il y a les gens comme nous d'un côté, puis il y a les autres, et on doit rester entre nous, serrer les coudes, et les autres, on ne peut pas leur faire confiance. Vous arrivez le lendemain matin en classe, et vous devez une fois de plus essayer d'expliquer pourquoi cette logique n'est pas viable. Donc voilà, c'est à cette époque, hein, qu'on vit et qu'on travaille. Et il faut comprendre, hein, que quand c'est ce genre d'émission qui est diffusée à des heures de grande écoute, qui est valorisée, cette émission que les jeunes en particulier regardent, ça n'est pas étonnant qu'on perde peu à peu le sens du débat, la capacité à argumenter plutôt qu'à se cracher les uns sur les autres, et même la conscience de ce qui sépare la polémique stérile du débat de fond.
On m'a souvent fait cette remarque, parce que le premier livre que j'ai écrit s'appelait « Les conspirateurs du silence », et l'une des remarques en mode reproche qu'on me faisait, c'était de me dire « Oui, enfin, vous dites du mal de la polémique, mais si votre modèle du débat, c'est la conversation de salon, entre Parisiens de bonne famille, très franchement, c'est sans intérêt. » Ça m'a fait sourire, parce que je ne suis pas une Parisienne de bonne famille, j'y suis arrivée, encore une fois, via les études, parce que je n'avais pas le choix. Moi, je viens du Sud, où, croyez-moi, les conversations autour d'un bon verre au moment de l'apéro peuvent être très animées. Parfois, le ton peut même monter très haut. En fait, c'était une mauvaise compréhension du sujet. Ce n'est pas d'un côté, soit on se crie dessus, on s'insulte et on oublie de débattre, soit on met le petit doigt en l'air et on boit le thé. Non, ce que j'appelle la polémique, c'est ce que Camus appelle la polémique, en fait. Ce qui distingue à ses yeux la polémique du débat, ce n'est pas le ton de la conversation, ce n'est pas même forcément la possibilité qu'on s'énerve les uns contre les autres, voire qu'on s'insulte, hein, pourquoi pas. Non, ce qui sépare essentiellement la polémique du débat, c'est que l'objectif n'est pas le même. Quand vous venez débattre, quelle que soit la manière dont ça se passe, même si vous êtes énervé contre la personne en face, même si le ton monte, votre objectif de départ, c'est de venir discuter un sujet. Si le sujet est difficile, le ton va monter, ça peut mal tourner, mais vous êtes là pour discuter d'un sujet parce que le sujet vous tient à cœur, parce que vous voulez échanger, voire parce que vous voulez convaincre la personne en face, ou en tout cas essayer de le faire. Et pourquoi pas entendre ses arguments, puisqu'elle n'est pas d'accord avec vous. Ça, c'est un débat. La polémique au sens de Camus, et il l'a décrit en 49 dans un texte sublime que je vous recommande, que vous trouverez dans Le Témoin de la Liberté. Quand vous lisez le texte en intégralité, vous vous dites « Mais comment il a pu écrire ça sans connaître les réseaux sociaux ?» C'est dingue, parce que ça parle tellement, si vous voulez, de notre époque, ce qui en même temps nous dit que les choses n'ont pas tellement changé. Camus, lorsqu'il décrit ce qu'il appelle le mécanisme de la polémique, dit que ça consiste à simplifier l'adversaire et par conséquent à refuser de le voir. Et il enchaîne en disant « Celui que j'insulte, je ne connais plus la couleur de son regard, ni s'il lui arrive de sourire et de quelle manière. » Et il conclut en disant « Devenu aux trois quarts aveugle par la grâce de la polémique, nous ne vivons plus parmi des hommes, mais dans un monde de silhouettes. » Bon, pour moi, c'est une parfaite description du phénomène de déshumanisation par la polémique que j'essaie de décrire, sur lequel je travaille. Qu'est-ce que ça veut dire « nous ne vivons plus parmi les hommes et dans un monde de silhouettes » Ben, c'est que quand vous êtes dans une polémique, votre objectif, c'est pas discuter. Avant même, si vous voulez de commencer, vous avez beau appeler ça débat, on va débattre. Si on est dans une logique de polémique, votre objectif, c'est au contraire d'éviter par tous les moyens que le débat ait lieu. Et quelle est la meilleure manière de faire ça ? Ben, plutôt que de considérer l'autre comme un adversaire, c'est-à-dire quelqu'un qui a un discours différent du vôtre, mais que vous êtes prêt à entendre parce que vous êtes là pour ça, quitte à ce que ça soit musclé, vous le considérez comme un ennemi. Et un ennemi, l'objectif, ce n'est pas de l'entendre, c'est de l'abattre le plus vite possible par tous les moyens nécessaires, parce qu'il est une menace pour vous. Donc comment on fait pour transformer l'adversaire en ennemi ? Comment on fait pour transformer l'homme en silhouette ? Eh bien, on crée des étiquettes et on s'arrange pour ranger les individus dans des bocaux étiquetés. On va considérer qu'un tel, c'est un fasciste. Je ne dis pas que ces termes-là n'ont pas d'application légitime. Je dis qu'aujourd'hui, on peut les utiliser de manière exponentielle. C'était aussi le cas à une autre époque, à la belle époque de Sartre et compagnie. Fasciste, réac, féminazi, islamo-gauchiste, islamo-fasciste, j'en oublie, islamophobe. Enfin, bref, il y a plein de mots comme ça qui circulent et qui sont généralement sortis à l'orée d'un débat avant qu'il commence pour étiqueter la personne en face. À partir du moment où la personne a reçu son étiquette, le débat n'a pas besoin d'avoir lieu parce que vous savez déjà à l'avance ce qu'elle va dire. Même si ce qu'elle dit vraiment ne correspond pas à ce au mot que vous lui prêtez, ça n'a pas d'importance parce que de toute façon, c'est un et complété avec la mention utile, si vous voulez. Ça, c'est la logique de la polémique. Or, si vous vous intéressez au fonctionnement actuel de certains débats, je mets des guillemets, que vous voyez dans certaines émissions, parfois certaines tribunes ou échanges de tribunes ou disputes par tribune interposée, et je ne parle même pas de ce qui se passe sur certains réseaux sociaux, vous vous rendez compte que c'est cette logique qui prédomine, que vous allez avoir des gens qui sont catégorisés, et j'en fais partie, ce qui est très drôle parce que, en fait, on se rend compte que quand on fait bien les choses, on est un peu comme un album Panini arrivé à la fin. Vous avez toutes les étiquettes. Parfois même sur un même sujet, il m'est arrivé il n'y a pas très longtemps d'intervenir sur France Inter, et suite à l'intervention, je crois que j'ai été traitée pour le même passage en fait, d'islamophobe et d'islamo-gauchiste. Normalement c'est opposé si vous voulez les deux. Je me dis que si
on m'étiquette pour la même formule dans ces deux bocaux antithétiques, c'est que bah, potentiellement, l'objet, ça n'a rien à voir avec ce que je dis au fond, c'est juste que ni l'un ni l'autre n'a envie de me récupérer parce que justement, je n'ai pas un discours qui colle complètement à ce que disait l'un ou qui colle complètement à ce que disait l'autre. Le problème, c'est que le débat en fait, fonctionne comme ça. Le débat n'est pas possible si vous débarquez avec vos bocaux et vous rangez les uns et les autres dans son petit bocal avant même que les bouches se soient ouvertes. Si vous faites ça, le débat est inutile. C'est justement l'objectif de la polémique. Maintenant, essayons de réfléchir à ce que ça peut donner quand c'est ce modèle-là du débat que vous inculquez via les médias aux jeunes, aux enfants, aux esprits en formation, aux esprits qui ne savent pas encore exactement ce que c'est qu'un débat. Ben, le résultat, c'est que moi, je récupère des élèves en terminale, donc c'est la fin du lycée. Ce sont quasiment des adultes, voire déjà des adultes pour certains. Et je me rends compte que quand on fait des exercices ou quand je les interroge en classe ou quand ils prennent la parole ou bien sûr quand ils écrivent dans leurs devoirs, dans leur dissertation, ils ne savent pas argumenter. Mais ils ne savent pas argumenter parce qu'en fait, ils n'en voient pas la nécessité. Quand on leur pose une question, ils répondent en une phrase. Et c'est une évidence même. Et peu importe ce que pense l'autre, ce n'est pas intéressant. Et puis, pas besoin d'argumenter parce que de toute façon, j'ai raison, si vous voulez. Ça me paraît évident, j'ai raison. Et donc, vous avez un travail à faire qui consiste à détricoter ça, à expliquer que non, ce n'est pas évident, que oui, on peut penser différemment, que non, l'autre n'est pas un abruti parce qu'il pense différemment. Et comment vous faites ça? Vous faites ça en organisant des débats en classe sur le modèle, parfois, parce qu'on est en cours de philosophie, platonicien. Vous prenez des dialogues de Platon, des livres, vous les mettez en scène, vous les réactualisez en intégrant des enjeux contemporains à partir donc, de cette matrice de la Grèce antique. Ça peut aussi passer, bien sûr, par la lecture d'autres textes ou le fait de renvoyer les élèves à des textes pour préparer un débat. Donc le fait de les confronter à la fois un argumentaire qui peut nourrir leurs propres convictions, mais aussi un argumentaire qui va à l'encontre de leurs convictions. Ça peut passer par le fait de leur demander de défendre l'argumentaire de l'autre, comme si c'était le sien. Donc d'être capable d'argumenter indépendamment de sa propre conviction. Et tout ça, pourquoi c'est important? Parce que ça permet justement de lutter contre cette logique d'essentialisation que j'ai évoquée tout à l'heure et contre l'avènement d'un monde de silhouettes où on ne se voit plus comme des individus avec une histoire singulière, des gens à qui on peut parler sans forcément être d'accord, mais à qui on peut s'adresser comme à un être humain. On se voit généralement comme le membre d'un groupe, d'une catégorie ou un pion dans le bocal qui généralement n'incite pas à aller au-delà. Une fois que vous êtes dans le bocal, si vous voulez, pas besoin de s'interroger sur qui vous êtes puisqu'on a déterminé ce que vous êtes. Et les livres, quel est le rôle des livres dans cette situation? Les livres sont l'occasion, pour reprendre une expression de Montaigne, de se frotter la cervelle à d'autres manières de penser, à d'autres manières de parler, à d'autres manières d'envisager les choses qui ne collent pas forcément à la nôtre. Ça, c'est quelque chose d'irremplaçable, si vous voulez. Et c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, mais j'insiste. L'une des plus grandes victoires, quand vous êtes enseignante et que vous savez que vous n'avez pas le temps de faire tout ce qu'il faudrait faire, que le programme est déjà infaisable en l'état, que non, vous n'aurez pas le temps de vraiment étudier l'ensemble des auteurs qu'on vous demande d'étudier, parce que ce n'est pas étudier survoler un texte en une heure, ce n'est pas étudier. Vous n'étudiez pas Aristote en survolant un texte en une heure, même en quelques heures. Mais quand vous vous rendez compte que, par ce travail de transmission, vous réussissez à donner envie aux élèves d'aller au-delà, que le lendemain, quand vous arrivez en classe, vous le voyez avec le livre à la main. Donc il ne s'est pas contenté de l'extrait que vous lui avez donné, vous avez attisé sa curiosité, il veut lire la suite. Bon, ça, c'est un travail réussi. Ça ne marche pas à tous les coups, ça ne marche pas avec tout le monde, il y a des jours avec et des jours sans, mais quand ça fonctionne, ça fait une énorme différence. Et ça, je ne suis pas sûre que vous en ayez, vous pouvez très facilement prendre conscience évidemment, mais je ne suis pas sûre que vous en rendez compte forcément sur le moment, parce que dans votre travail, vous ne voyez pas forcément ce qui se passe après que la personne ait saisi le livre. Elle prend le livre, elle le lit, elle vous le ramène. Vous n'avez pas forcément une vision concrète de l'effet que ça peut avoir sur sa vie. Bon, de l'autre côté, je peux vous garantir en tant que prof qu'il y a des élèves qui vont emprunter à la bibliothèque, que ce soit le CDI ou la bibliothèque locale, bibliothèque municipale, parce qu'ils n'ont pas, pour beaucoup d'entre eux, les moyens d'acheter tous les livres auxquels on fait référence en classe. Ça a un effet, et ça a un effet toujours bénéfique. Même quand c'est un livre qui est tombé des mains, même si c'est un livre qui a énervé, c'est un livre qui a suscité l'intérêt, si vous voulez, même négativement. C'est un livre qui a fait se questionner l'élève. C'est un livre qui, même quand il est énervé,
bah, la pousser à aller au-delà, à se demander pourquoi il a été énervé, pourquoi il a été choqué, pourquoi il n'a pas aimé. Et tout ça, ça participe au développement de l'esprit critique, de la capacité à argumenter, de la capacité à entendre un argumentaire autre que le sien, et de la capacité simplement à comprendre que le désaccord n'est pas une insulte, n'est pas un affront qu'on nous fait. Et tout ça, ça peut passer par simplement un livre. Ça a l'air de rien, mais je tenais à vous le dire, parce que voilà, c'est pas juste que les gens qui sont de l'autre côté aient tout le bénéfice du travail auquel vous contribuez très largement en tant que bibliothécaire. Et pour étayer un petit peu hein, le portrait de l'époque que j'essaye de faire, je pense qu'on peut la résumer rapidement en un paradoxe, qui est que nous n'avons jamais disposé d'autant de canaux d'information, que ce soit les médias de masse, que ce soit Internet, que ce soit tous les modes aujourd'hui d'information qui passent par des supports et des formats extrêmement divers. Et pourtant, jamais la désinformation et le complotisme ne se sont aussi bien portés. Pour la même raison, en fait. Parce que tout ce qui est un canal d'information peut être un canal de désinformation. En fait, les moyens d'atteindre les gens sont là. Et ensuite, la façon dont vous les utilisez, elle est tout à fait indifférente. Vous pouvez l'utiliser de la même manière pour diffuser une vérité ou pour diffuser un mensonge. Le gros désavantage, bien sûr, c'est que, et ça a été étudié et démontré, les contre-vérités se diffusent beaucoup plus vite que les vérités. Donc, c'est le principe de l'hydre de Lerne. Vous coupez la tête à une théorie complotiste ou à une contre-vérité. Le temps que vous fassiez ça, que vous fassiez le travail de déconstruction nécessaire et de sensibilisation, vous en avez trois qui débarquent. Et ça ne s'arrête jamais. Parce que vous n'êtes pas Hercule, il n'y a pas un moment où ça s'arrête, si vous voulez. Ça ne s'arrête jamais. C'est littéralement un travail sisyphéen. Et la raison qui explique ça, outre ce que je viens d'évoquer, c'est qu'en décentralisant les lieux d'information, les lieux de culture, les lieux d'enseignement, en les multipliant à l'infini, on a effacé les repères traditionnels de ce qu'étaient les lieux justement où on peut se renseigner, où on peut étudier, où on peut être instruit. Et on a créé un monde où on se perd facilement dans cet infini des chaînes, des journaux, des sites internet, ce qui se traduit notamment par une crise de confiance vis-à-vis non seulement des médias, mais aussi des institutions, y compris des institutions scientifiques. On a pu le voir au moment du Covid. Il y a une très grosse crise de confiance vis-à-vis, y compris du corps médical. Et lorsqu'on a interrogé les personnes qui éprouvaient cette crise de confiance, de manière quasi unanime, la raison, c'était telle théorie, telle idée qu'ils avaient pu entendre bouche à oreille ou sur Internet, qui remettait en question ce qu'on appelle la version officielle, qui est toujours synonyme de mensonge, dans cette logique-là. Et on s'est rendu compte que, quand on vit à l'époque des médias de masse, à l'époque d'Internet, à l'époque où on a tous ces moyens de se renseigner, on a autant de moyens, si vous voulez, de tromper les gens. On a autant de moyens de désinformer. Et donc, forcément, à partir du moment où il n'y a pas juste une source, si vous voulez, pour se renseigner, mais on a une multiplicité de choix, se pose la question de comment on fait pour savoir quelle est la bonne. Et ça s'apprend. Si vous voulez, l'esprit critique, le réflexe d'aller à la source, la lutte contre ce qu'on appelle le biais de confirmation, le fait de n'aller lire ou de ne lire dans ce qu'on lit que ce qui va confirmer ce qu'on pensait déjà, tout ça, ce ne sont pas des facultés innées, ce sont des savoirs qui s'acquièrent et qui se travaillent en permanence. Donc forcément, là encore, on a une injustice, une inégalité qui se présente en fonction de votre milieu socioculturel, en fonction de l'accès que vous avez à la culture, en fonction de votre éducation scientifique, etc. On n'est pas tous égaux vis-à-vis du risque lié au complotisme ou à la désinformation. Ce qui ne veut pas dire que quand on a reçu une éducation extrêmement pointue, on soit totalement immunisé contre le complotisme. Au contraire, hein, les statistiques montrent que ce n'est pas du tout le cas. Simplement, disons que les chances sont moins de notre côté quand on n'a pas eu au moins cette possibilité d'avoir un point de comparaison. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième raison que je voulais évoquer. Je terminerai par une troisième, parce que celle que je voulais évoquer ensuite, ce n'est pas vraiment une quatrième, c'est plus une raison d'ensemble. La troisième, c'est une raison plus intuitive, mais qui ne me semble pas moins forte, et qui est que l'essor du numérique, la multiplication des écrans, et surtout la dématérialisation croissante
et l'accélération permanente de tout peuvent facilement faire perdre pied là où l'expérience non seulement intellectuelle mais sensorielle, qui est celle de la lecture d'un livre qu'on tient dans les mains, permet un ancrage et de retrouver une certaine forme de repère. Pour illustrer ce phénomène-là, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit quand cet argument s'est présenté à moi, c'est ce qu'on appelle les boîtes à livres. Je ne vous dis pas ce que sont les boîtes à livres, vous le savez probablement mieux que moi. C'est quelque chose qui me fascine, je trouve ça absolument génial de voir des boîtes à livres et surtout en voir partout, y compris dans des endroits où je ne pensais pas en voir, dans des petits villages où il n'y a pas de bibliothèque à proximité immédiate. Vous avez des boîtes à livres qui sont parfois fabriquées même pas par la municipalité mais par les habitants. Vous voyez que c'était fabriqué de briques et de brocs avec des cagettes ou autres, mais il y a des livres à l'intérieur. Et pourquoi je trouve que c'est important? Parce que ça me fait un petit peu penser aux arbres qu'on va implanter en milieu urbain. Vous savez, parce qu'on a besoin de favoriser l'oxygène. Quand vous êtes en milieu urbain, il y a beaucoup de pollution, pas beaucoup d'air parfois, on est un peu les uns sur les autres et on a du mal à respirer. Les arbres, ça a à la fois une respiration visuelle, la végétation parce que c'est agréable, c'est une respiration physique du corps parce que les plantes favorisent l'oxygénation. Eh bien, j'ai l'impression qu'à leur échelle, les boîtes à livres remplissent un petit peu une fonction similaire. C'est des espèces de petits îlots qui sont plantés partout dans l'espace public pour permettre l'oxygénation de l'esprit. Et je pense notamment, quand je parle des boîtes à livres, aux gens qui s'en saisissent, parce qu'à Paris, vous en avez juste à côté des arrêts de tram notamment. Et vous avez des gens qui arrivent au tram, qui prennent un livre et puis qui vont dans le tram et qui lisent à ce moment-là. Et cette image de voir des gens qui lisent dans le métro ou dans le TGV ou dans d'autres moyens de transport, parfois ça me donne un peu l'impression d'une lutte qui ne dit pas son nom entre deux rapports opposés au temps. Deux rapports opposés au temps que Bergson a très bien décrit, hein, entre ce qu'on appelle le temps objectif, le temps de la montre, le temps mathématique, et de l'autre côté la durée, le temps vécu, et sa dilatation ou son rétrécissement en fonction de la qualité de ce qu'on vit. Ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, permet de comprendre ce phénomène. Parce qu'on voit beaucoup de gens, je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi je vois beaucoup de gens dans les transports avec un livre. On dit souvent, oui, les gens aujourd'hui, ils sont sur leur téléphone portable. Oui, il y en a, mais je vois aussi énormément de gens de tous les âges qui, y compris dans des positions debout, où je ne sais pas comment ils font pour ne pas tomber, ont toujours un livre à la main pendant une heure de trajet en métro ou parfois plus longtemps en TGV. Et cette lutte en fait entre deux conceptions du temps, c'est le temps objectif qui, dans l'échelle du quotidien, est le temps du travail auquel on doit arriver à l'heure, de l'école à laquelle il faut amener les enfants à l'heure, le temps du wagon qui file sur les rails à toute allure et dont l'arrivée est annoncée par un décompte numérique sur un panneau. Et face à ça, et donc la précipitation que ça génère, il y a la durée, le temps subjectif, celui qui peut suspendre la montre et qui peut faire oublier pendant les heures de transport le temps qui passe en se plongeant dans un livre. Je ne sais pas à vous que je vais apprendre cette expérience, mais c'est une expérience typique de la durée bergsonienne, ce moment où vous êtes dans un roman et vous vous dites « Allez, je vais être raisonnable, encore un chapitre » et puis vous vous rendez compte que ça m'est déjà arrivé, rater le train, louper un rendez-vous, rater un arrêt, c'est moins grave, mais très très régulièrement, je rate un arrêt de bus, de métro, de tram, parce que j'étais plongée dans un livre et que le temps s'est suspendu, parce que je suis rentrée dans une autre temporalité. Et ça, je pense que c'est important parce que, outre cette expérience du temps que ça permet, il y a aussi, je parlais tout à l'heure de la sensorialité du livre. Hein. C'est une question qui va être posée, je pense, pendant ce congrès, la question de livres numériques, les fameuses tablettes contre livres matériels, contre le livre de papier, le papier contre l'écran. Je ne suis pas du tout dans une position, disons, radicale de « faut brûler les Kindle ». Je confesse que j'ai un Kindle que j'utilise pour une raison purement pragmatique, c'est que parfois je dois partir en voyage avec énormément de livres et que je ne peux pas les prendre tous, tout peut tenir en fait dans ce format-là. Donc je l'utilise vraiment pour une question d'espace quand je dois voyager, mais par contre, très clairement, même si je sais que ce n'est pas universalisable, quand je suis sur le Kindle,
Tout me gêne. Je perds le contact avec le fait de tourner la page. Je perds aussi la notion du livre lu, en fait. Parce que mine de rien, quand vous avez un livre entre les mains, quand vous voyez le nombre de pages que vous avez lues, que, quand vous tournez la page, quand vous avez même, parfois c'est tout bête, mais la sensation du papier sur les doigts, l'odeur du vieux livre, quand c'est un livre utilisé, ça crée une sorte d'expérience sensorielle complète que vous perdez quand vous avez simplement une tablette, en l'occurrence un Kindle. Le fait de pouvoir aussi annoter, je sais qu'on peut le faire sur le Kindle, je trouve que c'est beaucoup plus difficile. Et c'est, si vous voulez, on n'a pas une même facilité pour retrouver les petites notes qu'on a faites. Pour tourner la page, ça prend plus de temps. Je ne sais pas si vous avez en tête le temps que ça prend pour une page Kindle de se tourner. Moi, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que j'ai l'impression que c'est la machine qui décide comment la page va se tourner. Parfois, ça va trop vite, il faut que je revienne en arrière. Le livre, vous avez les pages entre vos mains et vous avez cette sensation en fait, de tenir un univers dans l'espace, dans l'interstice de vos deux doigts. C'est une expérience qui est irremplaçable. Et c'est une expérience qui constitue, je pense, c'est à ça que je faisais référence, une forme d'îlot dans une existence qui, en dehors de ça, est quand même essentiellement rythmée par les horaires de travail, les échéances, le stress des examens pour les étudiants, et j'en passe. Là, vous avez un moment où, en fait, vous êtes dans votre bulle avec votre livre et le reste du monde et toutes les angoisses et les exigences qui vont avec sont suspendues. Et je pense que ça, c'est extrêmement précieux. Et j'évoquais tout à l'heure, ce qui me fait sourire affectueusement, les enfants et les jeunes adolescents que je vois dans les rayons des bibliothèques, qui font ça, qui font ce que d'autres font dans le métro ou dans le train, qui se mettent... C'est quand même drôle, je parle de bibliothèque où vous avez des sièges, des coussins, des choses extrêmement confortables pour lire. Et vous avez ces petits bouts qui se mettent au milieu des rayons, qui sont assis au milieu des rayons. Les gens sont obligés de les contourner parce que, si vous voulez, ils ont trouvé le livre qu'ils avaient envie de lire ou alors ils sont tombés sur une pépite qu'ils ne soupçonnaient pas. Et ils ne peuvent même pas attendre la distance d'aller jusqu'au fauteuil. Il faut s'asseoir immédiatement et hop, créer ce petit cocon. Je pense que ça, cette expérience-là, que les bibliothèques rendent possible, c'est aussi important parce que je parlais tout à l'heure des inégalités. Je parlais bien sûr des inégalités économiques, mais il ne faut pas oublier aussi les inégalités qui sont liées simplement à la situation familiale de manière générale. Quand vous avez, et c'est le cas souvent, vous vous rendez compte avec vos élèves parce que vous vous rendez compte qu'ils n'arrivent pas à faire leurs devoirs. Quand vous avez des familles nombreuses, par exemple, où vous avez des élèves qui n'ont pas leur propre chambre, qui n'ont pas un lieu calme où ils peuvent travailler, ils n'ont pas un lieu calme où ils peuvent lire. Les bibliothèques sont précieuses pour ça, parce que c'est justement un lieu qui est consacré uniquement à la possibilité de faire les devoirs, de lire et d'échanger autour des livres qu'on lit. C'est pour ça que c'est extrêmement, extrêmement précieux de préserver ces espaces, parce que j'entends parfois des gens qui disent « mais de toute façon, ce qu'on fait dans la bibliothèque, on peut le faire ailleurs, on peut le faire à la maison ». En fait, non, peut-être que vous pouvez le faire à la maison, mais pas tout le monde. Enfin, je ne dis pas vous, je parle des gens à qui je m'adresse quand ils disent ça. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette possibilité d'avoir ce que dans un autre contexte, Virginia Woolf appelait une chambre ou une pièce à soi, un endroit où vraiment on peut être chez soi, et créer une bulle où on a la possibilité de s'ouvrir à autre chose. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense que les bibliothèques sont extrêmement précieuses aussi, non simplement en raison de ce qu'elles contiennent, mais aussi en raison du lieu en lui-même, parce que le lieu n'est pas neutre, et qu'il permet de créer une sorte de havre dans un univers où ils sont rares quand même, où il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de perturbations, et ça peut créer parfois aussi un havre quand vous êtes dans une situation familiale où il y a des disputes, où l'enfant sent en danger, où il doit s'occuper tellement des petits frères, des petites sœurs, de tout le monde sauf de lui, qu'il ne prend pas le temps de s'ouvrir à la lecture. Être en bibliothèque et lire une heure par-ci, une heure par-là, ça lui permet d'avoir, voilà, de ménager ces espaces où, pour une fois, il est juste lui face à un livre et il n'a pas à penser aux autres et à tout ce que le poids de l'existence peut faire peser sur ses jeunes épaules. Donc pour terminer, pour essayer de synthétiser ce que je viens de dire, pour répondre à la question qui a été posée ce matin, je dirais qu'au-delà de ce qu'on peut trouver dans la bibliothèque, c'est-à-dire des livres et d'autres supports, d'autres médias qui permettent de s'instruire, de rêver, de s'évader, de découvrir des choses, ce sont aussi des lieux, les bibliothèques, où
on peut développer grâce à l'accès à ces supports, grâce à l'accès notamment aux livres, des facultés qui sont indispensables pour la vie professionnelle comme pour la vie personnelle. Je parlais tout à l'heure de l'esprit critique, mais la capacité d'argumentation, la capacité d'analyse, la capacité à comprendre, à défendre des thèses auxquelles on n'adhère pas forcément, le sens du débat, etc., sont autant de facultés qui nous aident à trouver notre place dans le groupe, dans la collectivité, à comprendre les autres en dépit de nos différences et à trouver ce qu'on pourrait appeler des terrains d'entente, au sens littéral du terme, des terrains où on peut s'entendre sans qu'il y ait des perturbations sonores, mais s'entendre aussi au sens de se comprendre. J'entends ce que tu dis. Bibliothèques peuvent servir à ça, parce que justement, ce sont des lieux qui sont consacrés au développement de ces facultés et aux échanges autour des livres, sans qu'il y ait des perturbations ou des interférences. Et c'est aussi dans ce sens-là que les livres sont des biens communs, au sens où je l'entendais tout à l'heure, non seulement au sens où ils appartiennent à tous, qui est le sens premier, mais aussi au sens où ils aident à nous rappeler qu'en deçà des différences, des divergences, des situations sociales, économiques qui ne sont pas les mêmes d'une famille à l'autre, au-delà ou en deçà même aussi des convictions et des croyances des uns et des autres, toute différence qui retient généralement l'attention en fait. On met toujours l'accent sur ce qui nous divise, sur un tel n'est pas d'accord avec un tel, parce que ça fait parler, si vous voulez, ça crée de la polémique. En deçà de ça, il existe des lieux, les bibliothèques, des émotions, des convictions, des expériences où se trouvent des points communs entre des gens là où on ne les attendait pas. On disait tout à l'heure, je ne sais plus qui l'évoquait, que ça peut être un lieu de rencontre, les bibliothèques. Bon, je passe les rayons de la bibliothèque d'Ulm, je balance un peu, qui sont des rayons drague, en fait, on le sait. Quand vous y allez, moi je ne le savais pas quand j'y suis arrivée, mais je m'en suis rendu compte à mes dépens, à un moment où je commençais à me dire, mais quand même, ça devient récurrent. La première fois, ça pouvait être un hasard, au bout de la troisième, vous dites que vous avez fait passer un message malgré vous. Mais ce n'est pas simplement des rencontres dans ce sens-là, si vous voulez. Il y a aussi des rencontres parfois de vous cherchez un livre et vous avez quelqu'un qui est dans le même rayon et qui cherche en même temps que vous, et puis vous collez l'un à l'autre et puis vous lui demandez ce qu'il recherche. Ah oui, tu cherches ça. Pourquoi? Tu travailles sur quoi? Et hop, moi j'ai énormément de relations comme ça intellectuelles, voire d'amitiés qui sont nées parce que je suis allée chercher un livre dans la bibliothèque et j'ai croisé quelqu'un qui allait en chercher un, pas forcément le même, mais c'est le même rayon. Et donc je me suis dit, si on est dans le même rayon, on doit avoir quelque chose en commun et j'aimerais savoir ce que c'est. Donc ça a l'air de rien, mais à une époque où on se déchire pour un rien, on passe son temps à s'insulter et à se mépriser les uns les autres, avoir des lieux comme ça où on peut se rappeler qu'en deçà des divergences qui sont souvent anecdotiques, mine de rien, pour certaines en tout cas, il y a fondamentalement des points communs qui font l'universalité de la condition humaine et dans lesquels on peut se retrouver via les livres. C'est pour ça, en somme, que les bibliothèques sont si importantes à mes yeux, parce qu'elles sont non seulement des lieux de culture, mais aussi l'un des rares lieux, ou qui se fait encore de plus en plus rare aujourd'hui, où ce qui nous rassemble prend encore le dessus sur ce qui nous désunit. Je vous remercie. S'il y a des gens qui veulent poser des questions. Je dis toujours que je laisse la possibilité aux gens, parce que ce que j'aime pas quand je parle et qu'il n'y a pas de questions derrière, c'est que si par exemple j'ai suscité soit des interrogations, soit des indignations, on laisse pas aux gens la possibilité de s'exprimer aussi. Je trouve ça injuste en fait. C'est pas parce que je suis placée au bon endroit et vous non, qu'on doit créer ce genre d'unilatéralité. Donc si vous avez des questions, des remarques, un scandale à exprimer sur ce que j'ai dit, n'hésitez pas. Oui, je vois quelqu'un au fond. Bonjour. Bonjour. Claire Godoy de la Bibliothèque départementale du Val-d'Oise. Enchantée. Merci pour ces propos fondamentaux qui reflètent, je pense, la base de notre vocation commune à nous bibliothécaires. Je voudrais juste relever le fait que vous n'avez parlé que du livre et qu'une loi récente vient de consacrer le fait que les bibliothèques ne sont pas seulement des lieux du livre, que leurs collections peuvent être constituées de bien d'autres supports, y compris des objets, et surtout que leur mission réponde à tout ce que vous avez énuméré ce matin, et pas seulement par du livre. Voilà.
Le livre est certes une passerelle idéale pour ceux qui lisent des livres. Et puis il y a plein de gens qui ne lisent pas de livres et auprès de qui on peut être très utile en bibliothèque parce qu'on propose plein d'autres choses. Voilà, je voulais juste quand même le relever. Vous faites parce bien. Que sinon, voilà, ça réduit la bibliothèque au livre et ça me dérange un peu. Non, mais vous faites bien. Je suis contente que vous l'ayez évoqué parce que ce n'était pas du tout mon objectif de réduire la bibliothèque au livre. Je vais être honnête avec vous. La seule raison pour laquelle je me suis focalisée sur le livre, c'est que je travaille énormément sur d'autres supports, notamment les films, les jeux vidéo, et que si je commençais à aborder ces sujets-là, demain matin, vous êtes encore là. Donc c'était juste une question de timing, le fameux temps objectif que j'évoquais tout à l'heure, mais c'est quand même important effectivement de rappeler que, parce que c'est une des convictions aussi qui m'habite, les livres ne sont pas des objets monadiques, on dirait, ils ne sont pas des objets moléculaires qui sont isolés du reste des objets culturels. Ça a été évoqué rapidement tout à l'heure, mais il y a des passerelles et même une essence commune entre les livres, les films, les jeux vidéo, les jeux de société aussi. Et quand vous êtes professeur, automatiquement, vous faites ces passerelles-là. Soit si vous êtes un snob, et donc vous partez du principe qu'il n'y a que les classiques et le reste peut mourir, et ça, généralement, ça se passe mal avec les classes aujourd'hui. Soit vous êtes en osmose avec le monde contemporain. Pour la petite anecdote, je sais que ça semble comme une excuse, mais ça s'est passé comme ça. Je me suis inscrite sur Netflix à cause de mes élèves. Parce que j'en avais assez, en fait, d'arriver en classe et de leur parler de tel ou tel film ou tel livre, et qu'ils me disent « Ah ouais, madame, ça me fait penser à telle série », et je ne savais jamais de quoi y parler. Et je suis allée sur Netflix et je me suis rendu compte que c'est une mine d'or pour travailler philosophie, pour parler de littérature, de culture, des problèmes contemporains. Et j'ai aucun problème, et même j'ai un grand plaisir à introduire des extraits de séries ou de documentaires qu'on trouve sur Netflix ou sur d'autres plateformes. Parler aussi des jeux vidéo, parce que ça, les élèves s'y attendent pas. Parler de la musique, hein, je ne l'ai pas évoqué, mais parler de la musique, puisqu'il y a aussi souvent des CD qui sont disponibles, en tout cas c'était le cas dans les bibliothèques et médiathèques que j'ai consultées. De parler de rap, parfois, de faire le lien entre la poésie de Verlaine ou de Baudelaire et Eminem ou 50 Cent. Ça, les élèves ne s'y attendent pas, parce que c'est pour ça que c'est important que vous ayez relevé ça, parce que souvent, ils ont un a priori, mais qui est fondé sur une réalité, malheureusement, qui est que leur culture n'est pas considérée comme de la culture, c'est de la sous-culture. Il y a la culture avec un grand C, la culture des classiques, justement, et puis il y a ce qu'eux écoutent, ce à quoi eux jouent, ce qu'ils lisent éventuellement, les BD, par exemple, pour certains d'entre eux, ils sont impressionnés quand on leur dit que la BD, c'est un art, en fait. On n'est même pas, si vous voulez, dans la discussion de ce que c'est ou pas de l'ordre de la culture, c'est un art. Pour certains élèves, ce n'est pas une évidence du tout, parce que souvent, ils aiment la BD, ils lisent de la BD, ils lisent des mangas aussi. Et donc, quand on arrive à créer des passerelles comme ça en leur expliquant que ça ne veut rien dire, la culture avec un grand C, et la sous-culture, que tout ça est relatif, que ce qu'aujourd'hui est considéré comme étant un classique pouvait, il y a un siècle, voire moins, être considéré comme un torchon. Pareil d'ailleurs pour les autres arts, en peinture, hein, souvent je prends l'exemple moi, du salon des refusés à mes élèves pour leur expliquer à quel point il suffit de ne pas être né à la bonne époque pour être considéré comme n'étant pas, faisant pas partie du club des gens cultivés ou des gens ou des supports qu'on peut considérer comme culturels. Donc c'est important, hein, vous avez bien fait de le rappeler, de dire que les bibliothèques aussi participent, ont un rôle à jouer dans cette déconstruction du préjugé selon lequel, au-delà du livre et même j'ai envie de dire de certains livres, point de salut. Donc je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques sur ce que je n'ai dit ou pas dit? Dites-moi. Et je ne sais pas s'il y a un micro. Il est là-bas. Allez-y. Bonjour, je suis directrice des affaires culturelles dans la communauté urbaine du Havre. Donc, vous parlez de perturbations sonores, etc. Donc, je ne sais pas si vous avez testé, il faut être très énervé et avoir un tout petit peu de culot. Je prends beaucoup les transports en commun. Je ne supporte plus les téléphones, les machins, les trucs qui tournent partout. Donc, maintenant, je prends un livre et quand j'entends un coup de fil, je mets à lire tout haut. Tout le monde s'arrête, métro, RER, train, vous avez un super pouvoir. Alors c'est vrai que ça me gêne toujours un peu, mais maintenant j'ai pris le pli de faire cet exercice et je vous invite à montrer que le livre peut imposer le silence. Voilà. Je valide, bravo.
Je pense que c'est un partage d'expériences partagées, parce que je pense qu'on est beaucoup à avoir vécu ça. Franchement, je ne l'ai pas fait avec le livre, mais c'est une bonne idée. Je devrais tenter avec le livre. Je l'ai fait avec la musique. Un jour où j'ai été confrontée à quelqu'un qui était particulièrement incivil avec son téléphone, et pendant longtemps, j'étais en train d'écouter Mamma Mia dans mes écouteurs. Donc je me suis dit, tout le monde va en profiter. Et on s'est mis à le chanter. On s'est mis à plusieurs, en fait, à le chanter en canon dans la rame. Le monsieur a raccroché. Donc c'est un pouvoir, c'est un super pouvoir, vous avez raison. Est-ce qu'il y avait d'autres... Oui. Bonjour. Bonjour, Anne Verneuil, médiathèque de Valenciennes. La lecture, effectivement, ce n'est pas non plus que sur le livre. Donc, vous parliez de votre expérience avec la Kindle. Ça ne vous plaît pas des masses, ce qu'on peut entendre. Après, il y a différents types aussi d'outils. Mais en fait, quand on est dans un transport en commun, il y a des gens, effectivement, c'est facile de voir qu'ils lisent parce qu'ils sont sur un support papier traditionnel. Mais la lecture, elle se fait de plus en plus sur des supports électroniques et pas que du livre, je veux dire, la pratique de lire un article, de lire, d'aller sur un site, sur un blog, sur même des réseaux sociaux, c'est aussi de la pratique de lecture. Et c'est vrai que ça, c'est un petit peu à la fois l'opportunité, le défi auquel on est confronté, parce que la lecture prend des formes très différentes. Et nous, bibliothécaires, on est particulièrement attachés à intégrer ces nouveaux usages aussi dans notre offre, avec les difficultés qu'on peut avoir en termes d'offres commerciales et puis de problématiques techniques qui en cours. Mais ça, c'est vraiment important, je me dis toujours, on a l'impression que les gens sont sur leur téléphone, mais on ne sait pas ce qu'ils font dessus. Et je pense que c'est important aussi de pas forcément porter un jugement là-dessus, et que la lecture, elle a des modes d'expression maintenant très très différents. Je suis totalement d'accord avec vous, merci pour la remarque. D'ailleurs, c'est ce que je disais, hein, quand je parlais de quelqu'un qui me disait « oui, les gens sont toujours sur leur téléphone, on ne sait pas ce qu'ils font ». Je pense à une image qui a circulé sur Internet à un moment qui était très parlante, où on voyait des jeunes dans un musée, je ne sais pas si vous voyez à laquelle je fais référence, des jeunes personnes dans un musée avec des tableaux magnifiques autour et qui étaient tous assis en train de regarder leur téléphone. Et ça a été utilisé comme une manière de dire « regardez, il n'y a plus de jeunesse, il n'y a plus de culture, ils sont dans un lieu de culture incroyable, ils sont sur leur smartphone, etc. » pour avoir réalisé une exposition numérique sur Albert Camus en 2013, en partenariat avec l'Institut français, qui était justement fondée sur des espèces de planches avec des QR codes qu'il fallait scanner sur son téléphone ou sur sa tablette pour ensuite dérouler un texte ou récupérer un document audiovisuel, une vidéo, un enregistrement. En fait, vous savez pas ce que les élèves... On voit pas les téléphones des élèves, en fait, sur cette photo. Donc ça tombe, ils sont dans un musée interactif, comme c'est de plus en plus le cas. Ils ont scanné le QR code avec leur téléphone. Ils sont en train de lire le descriptif pour comprendre l'histoire du tableau, l'histoire du peintre. On sait pas. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce préjugé est à contredire dans toutes les occasions qui se présentent. Il me semblait d'avoir... Oui, j'ai récupéré le micro, du coup. Oui. Bravo. Oui, bonjour. Alors, en parlant de philosophie, moi, un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est le livre d'Yves Citon, pour une écologie de l'attention. Et moi, j'ai tendance à être assez pessimiste, en fait, sur notre capacité à faire face justement à la captation de l'attention, surtout chez les plus jeunes. Et quand je dis chez les plus jeunes, je m'intègre aussi dedans parce que je fais partie de la génération qui a grandi aussi avec l'Internet, les téléphones. Et pour moi, l'espace informationnel, je pense qu'on ne peut plus être dans un espace pacifié. Il y a presque un enjeu politique à se positionner et à essayer de développer des stratégies de recaptation de l'attention, en fait. Et pour moi, c'est extrêmement compliqué, vu toutes les stimulations auxquelles on fait face quotidiennement et tout particulièrement les plus jeunes générations. Merci pour la remarque, c'est tout à fait juste. Et notamment ce à quoi ça m'amène, c'est au fait qu'on est très nombreux à dénoncer ce problème-là, à dire qu'il y a certaines émissions, c'est ce qu'on appelle de la télépoubelle, que ça a des effets déplorables sur les jeunes générations. C'est vrai. Le problème, c'est qu'on est beaucoup moins nombreux à proposer des contenus alternatifs, à dire puisque ça, c'est n'importe quoi sur tel sujet, qu'est-ce qu'on a à proposer à la place ? On ne peut pas reprocher aux jeunes de se tourner vers certaines émissions qui traitent de certains sujets importants quand il n'y a pas autre chose à côté
accessibles à leur niveau pour traiter de ces mêmes sujets. Donc il y a des gens hein, qui ont des initiatives, qui font des émissions notamment sur YouTube de vulgarisation scientifique ou autres extrêmement, extrêmement bien, bien faites et qui sont en plus sur YouTube, donc c'est un lieu où les jeunes vont spontanément, mais ce sont encore des initiatives qui sont relativement réduites par rapport à ce que vous décrivez, à savoir l'enfer de la multiplicité des émissions, des chaînes, des blogs, des sites où on ne peut pas se retrouver. Alors, ça nous renvoie aussi à l'inégalité dont on parlait tout à l'heure. L'attention, c'est aussi une faculté qui se travaille, qui s'éduque. Et en fonction de votre milieu socioculturel, des études que vous avez faites ou pas faites, vous avez une capacité d'attention qui s'en ressent. Si vous avez été éduqué justement à l'esprit critique très jeune et que vous savez repérer certains signaux d'alarme pour comprendre qu'un site est un site complotiste ou comprendre que telle source n'est pas fiable, vous avez plus de chances de vous en sortir et donc de faire taire certaines sources d'informations et donc de vous y retrouver un petit peu que quelqu'un qui est jeté là-dedans comme une personne qui ne sait pas nager sans bouée et on lui demande en gros de s'agripper à la bonne prise. Ce qui va se passer, c'est que généralement, elle va s'agripper à la première prise qui lui tombe sous la main. Et on ne peut pas lui reprocher parce que c'est quelque chose qui s'apprend. On ne nage pas spontanément, on apprend à nager, si vous voulez. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est un enjeu qui n'est pas presque politique, qui à mes yeux est politique, fondamentalement. Ce sera vous après. Oui, oui. Monique Alignan de la Bibliothèque nationale de France. Bonjour. Pour monter peut-être d'un cran par rapport aux bibliothèques ou à l'école et à ce genre de lieu, je pense qu'on est aussi dans le problème politique ou sociologique, il y a des habitudes des uns et des autres, c'est le rapport à la solitude. Alors pas forcément la solitude triste, mais le fait d'être solitaire ou de désirer ou d'être seul, de fait, et ça dépasse bien le monde des transports en commun et des bibliothèques, c'est partout. C'est pas quelque chose de socialement accepté, et je trouve que de plus en plus, il est difficile de se trouver seul à un endroit, par exemple. Moi, je prendrai l'exemple des brasseries. Si je vais dîner seul, que j'ai mon bouquin, ça m'est arrivé de me mettre à lire aussi à voix haute, plus personne, dès qu'une personne est avec une autre, voire plusieurs, c'est terminé. La personne qui est seule n'existe pas. Oui. Donc c'est vrai que les bibliothèques sont un espace de confort par rapport à ça. On ne peut plus être tranquille dans son esprit, à se concentrer si on est seul, la plupart du temps. Et par exemple, pour Paris, c'est 25 à 30% de personnes qui sont seules. Hein. Donc je ne sais pas si je vieillis, mais 10 fois par semaine, je m'aperçois. Ça m'arrive de me déplacer vers les gens en disant simplement parler un petit peu moins fort. Le ton général de la conversation a monté, plus personne ne met de bémol, etc., etc. Donc c'est vrai que ce que vous racontiez, ce que vous décriviez tous, ça, c'est un havre de paix, mais on est en lutte nerveuse perpétuelle contre ça. Oui, je sais. Donc je trouve que c'est même un vrai problème politique. C'est un problème politique et un problème, j'ai envie de dire aussi, avant d'être politique, qui est culturel, au sens où ça, comme vous l'avez suggéré, ça fait fond sur une certaine conception de la solitude, qui souvent d'ailleurs est négative. On confond la solitude et les seulement. Je pense que c'est le cas ça peut être le cas pour n'importe qui, mais c'est peut-être encore plus le cas quand on est une femme. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais une femme qui est seule, c'est une femme qui, surtout à partir d'un certain âge, c'est une femme qui, en gros, a un problème. Pourquoi elle n'est pas casée, comme on dit. Un homme qui est seul, y compris passé un certain âge, c'est un don juan, c'est quelqu'un qui ne veut pas se fixer à une seule femme, c'est quelqu'un qui... Une femme, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi à rater, en fait, quelque chose de son existence. Et ça, vous décrivez l'histoire des brasseries. Moi, ça m'a rendu dingue. Ça m'a rendu dingue parce que j'ai réalisé que quand vous êtes seul à une brasserie avec un livre, généralement, pour beaucoup d'hommes, c'est une invitation à s'asseoir à la table et à commencer à papoter. Et au départ, je répondais poliment, je faisais comprendre que j'étais pas intéressée et que j'étais pas seule en fait, j'avais un livre. Donc si j'étais seule, c'était volontairement. C'est mal pris parce que presque c'est une fleur qui me faisait, si vous voulez, pauvre fille seule avec son livre, je viens la sauver de sa solitude de vieille fille. En fait, il sait pas du tout la vie que je mène, il sait pas si j'avais quelqu'un ou pas, mais voilà, le livre était compris comme une sorte de signal d'alarme pour dire venez me sauver, moi pauvre demoiselle en détresse qui suis seule face à Camus que je déteste évidemment. Voilà, c'est comment vous dire que quand vous êtes en train de lire Noces de Camus et que vous êtes complètement noyé dans les paysages qu'il décrit, vous n'avez absolument rien à faire de « Salut mademoiselle, tu es charmante ». Donc je comprends tout à fait ça et je pense que oui, il y a une expérience particulière pour les femmes, mais de manière générale, je pense qu'il y a simplement un travail en fait, culturel à faire sur la solitude et désolée de prêcher pour ma paroisse, mais
Il y a un texte pour comprendre ce qu'est la solitude et la différence entre la solitude voulue et la solitude subie, qui est un très beau texte, qui n'est pas du tout un texte complexe, qui est un texte très, très vibrant. Non, mais je le dis parce que souvent, quand on dit philosophie, les gens disent « Ouh là là !» C'est un texte qui est dans les entretiens d'Épictète. Donc, ce n'est même pas un livre, en fait. C'est des notes de cours d'un disciple d'Épictète, le philosophe stoïcien, où il explique ça. En fait, il explique qu'on peut être seul au milieu d'une foule. On peut être seul au milieu d'une foule, comme on peut être... comment dire, on peut avoir l'esprit peuplé de gens merveilleux en étant seul, assis à son bureau, entouré de ses livres. Ça, c'est une expérience aussi qu'on trouve chez Proust, chez beaucoup d'autres écrivains qui étaient des grands lecteurs. Mais ça amène justement, ça implique de reconsidérer ce qu'on entend par solitude et de comprendre que c'est moins une notion physique, donc qui se perçoit simplement au regard, est-ce que vous êtes avec quelqu'un physiquement ou pas. C'est d'abord une question, si vous voulez, existentielle. C'est la manière dont vous vous rapportez à l'autre et dont vous vous rapportez, notamment, puisqu'on parle des livres, à l'expérience de la lecture. Moi, je ne me sens jamais seule, en fait, quand je suis entourée de mes livres. C'est pour ça, d'ailleurs, que je voyage souvent avec eux quand je ne voyage pas avec une autre personne, parce que quand vous avez lu un livre, vous avez découvert, en fait, un vécu autre que le vôtre, et vous avez l'impression d'avoir vécu avec la personne que vous n'avez jamais rencontrée. Camus, j'ai l'impression que c'est mon plus vieil ami, en fait, alors que je ne l'ai jamais rencontré. Donc, je suis totalement d'accord avec vous, et merci de l'avoir dit, parce que souvent, on n'ose pas en parler. Et pourtant, il faut en parler. Floriane Brun, médiathèque de Colombes. Juste pour revenir sur les problèmes d'attention, je pense que ça va même au-delà de ça, c'est-à-dire que au-delà de la capacité à rester, à avoir la possibilité de suivre jusqu'au bout, de ne pas zapper d'un contenu à un autre, il y a aussi le souci que souvent, et c'est pas que les jeunes malheureusement, c'est que les gens veulent des certitudes, ils veulent des choses simples, ils veulent des réponses simples. Or, rarement les réponses sont simples, la vie n'est pas simple, le monde n'est pas simple, sauf qu'ils veulent. Ils veulent parce que le monde leur fait peur, et non sans raison, depuis quelques semaines on le voit bien. Souvent la violence revient, le mépris de l'autre revient, etc. Donc ils veulent du réconfort, ils veulent des certitudes, sauf que en fait les éléments qu'on a au niveau scientifique, au niveau philosophique, c'est pas de la certitude, c'est des choses, on se dit, on est au plus près de ce qui nous semble être une certaine forme de vérité. Mais le problème, c'est que quand vous vous retrouvez face à des gens qui, de l'autre côté, vous disent « oui, c'est comme ça et pas autrement », quand vous allez devoir décortiquer le fait que non, en fait, ils sont en train de vous dire des conneries, excusez-moi, ça va vous prendre 10 fois plus de temps. Et les gens, ils ne sont pas prêts à l'entendre, en fait. Soit parce que ça va être trop long, soit parce que mais non, mais moi j'aime bien avoir des certitudes. Voilà. Et là, la voula de Brandolini, c'est très, très, très compliqué. Donc, je suis plutôt optimiste, mais c'est vrai que dans ce cadre-là, ça fait un peu peur, parce qu'effectivement, en plus, avec les réseaux sociaux et YouTube, c'est démultiplié, quoi. Voilà. Non, mais vous avez tellement raison de le pointer, d'où l'importance, à mon sens, d'éduquer les gens à la vérité et à la recherche. Parce que plus on apprend aux jeunes ce qu'est la nuance, à quel point les certitudes et les évidences un peu simplistes peuvent être trompeuses, plus on va les armer contre justement ce genre de comportement, et surtout on va développer une forme de curiosité, parce que je peux vous dire que chez les jeunes c'est un jeu en fait, parce qu'ils sont d'un seul coup intelligents. Quand vous leur dites, vous savez, cette certitude que vous avez sur tel sujet, en fait c'est peut-être plus compliqué, regardez telle chose qui montre que c'est pas si évident, regardez tel autre point de vue argumenté qui va à l'encontre de ce que vous pensez. Quand ils acceptent en fait de laisser entrer ça dans leur univers, ensuite, c'est un effet grisant parce qu'ils se rendent compte que contrairement aux autres qui sont, un petit peu pour reprendre la métaphore platonicienne, enfermés dans la caverne, eux, ils sont sortis et ils ont vu un univers qui au départ était un peu effrayant, un peu douloureux à envisager, mais qui finalement est extrêmement, extrêmement intéressant parce que c'est nouveau, parce que c'est insoupçonné, et qui vont avoir tendance ensuite à vouloir reproduire ce geste-là dans d'autres domaines, sur d'autres sujets. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Alors je suis d'accord avec vous, c'est pas en claquant des mains et c'est pas à 100% dans une classe chaque année que vous allez réussir à créer ça, mais ça fonctionne avec la répétition, ça fonctionne avec l'obstination. Et ça fonctionne aussi, plus on commence jeune. Je parlais tout à l'heure de l'expérience au lycée, la cité scolaire François Villon. Je me suis rendu compte que la même expérience avec les cinquièmes était beaucoup plus facile qu'avec les terminales. Parce qu'en cinquième, les préjugés sont encore
pas fixé. En terminale, c'est beaucoup plus difficile parce qu'en plus, la politique, à ce moment-là, est intervenue parce que les certitudes se sont cristallisées avec l'adolescence qui, justement, favorise la radicalisation, le refus de la nuance, la colère, etc. Quand vous les prenez en cinquième, si vous voulez, vous vous rendez compte que là, le travail est encore possible. Donc, j'ai envie de dire, mettre le paquet sur la pédagogie, sur l'enseignement, que ce soit dans le milieu scolaire ou dans d'autres lieux d'apprentissage, de culture, que sont notamment les bibliothèques. Merci. Merci. Je vais être obligée d'interrompre les exposants au niveau en dessous, attendre tout le monde pour l'inauguration du salon. Merci à Madame Maezo. Alors, éventuellement, pour ceux qui souhaitent prolonger les échanges. Si vous souhaitez prolonger les échanges, éventuellement vous faire dédicacer un ouvrage, on a les livres en vente sur le stand ABF et Madame Maezo qui reste disponible un petit peu ensuite pour échanger ou dédicacer. Et voilà, c'est parti.